Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur France 2. Bonsoir à vous qui avez accepté de participer à cinq jours du scrutin, à ce dernier débat de cette élection européenne, un débat sur le fond, sur une vision de l'Europe, sur la place de la France dans l'Union. Pour la bonne tenue des échanges, je ferai appel à l'aide Zeppelin si le débat s'enflamme. Et cette musique sera en effet le signe que chacun, pour chacun d'entre vous, que l'on ne vous comprend plus. Merci donc euh, de respecter euh, la règle du jeu. J'ajoute que vous serez interrogé tour à tour par des téléspectateurs euh, de l'événement avec une réponse en une minute. Ce débat, vous le savez bien sûr, est particulièrement important. Car un électeur sur trois déclare pouvoir encore changer d'avis euh, d'ici à dimanche. Alors, pour débuter euh, cette émission, on vous a demandé de choisir une photo de campagne. L'ordre de, pa de passage a été... Tirer au sort, et c'est vous, Jordan Bardella, qui débutez. Bonsoir, euh, Madame Roux, bonsoir euh, aux Françaises et aux Français qui nous regardent ce soir. Euh, J'ai choisi euh, ce soir le drapeau du Danemark parce qu'il euh, y a en Europe des pays qui, précisément, arrivent à protéger leurs frontières et à changer totalement euh, le cours de la politique euh, d'immigration. Je pense que les Françaises et les Français ne sont pas condamnés à subir subir une politique migratoire euh, toujours plus importante qui bouleverse aujourd'hui les grands équilibres euh, de notre société, notre sécurité, notre identité, nos comptes publics. Et moi, je serai précisément dans cette euh, élection, dimanche, euh, le candidat euh, de la France qui ne peut plus prendre sa part euh, en matière euh, d'immigration. Et je crois que euh, dans quelques jours, c'est aussi un référendum pour ou contre la submersion migratoire que les Français devront trancher très concrètement en allant voter dimanche. Et nous allons revenir dans un instant sur cette thématique avec Patrick Cohen qui va me rejoindre. Raphaël Glucksmann, une photo de campagne. J'ai choisi une photo de Anna Politkovskaya, l'immense journaliste russe qui euh, a été assassinée par les sbires de Poutine euh, dans son hall d'immeuble. Anna était mon modèle dans la vie et euh, mon amie. Et un an avant sa mort, elle m'a dit ces mots qui résonnent encore en moi. Poutine fera la guerre. Je ne sais pas quand il la fera, mais il la fera et les Européens, vous, vous serez alors surpris de découvrir que cette guerre vous vise, vous. Ces mots euh, d'Anna m'ont accompagné en Géorgie, en Ukraine, au Parlement européen, à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, où j'ai combattu euh, les attaques russes contre nos hôpitaux, nos industries, nos soldats, nos nations. Aujourd'hui, alors que euh, le front ukrainien menace euh, de s'effondrer, que Donald Trump peut redevenir président, eh bien, il est temps d'écouter ces mots d'Anna qui exhortent nos démocraties à ne plus être faibles. Il est temps de faire de l'Europe une puissance indépendante qui ne dépende pas des États-Unis pour sa sécurité, du Qatar pour son énergie, de la Chine pour tout le reste. Il est temps de rendre l'Europe adulte. C'est le combat de ma vie et c'est tout notre projet. Mario Maréchal, une photo de campagne. Oui, alors comme vous le voyez, je n'ai pas choisi une photo, mais une carte, une carte de l'Observatoire de l'Immigration, qui est fondée sur des chiffres officiels, hein, ceux de l'Insee. Et qui, euh, selon moi, est révélatrice. Et je considère qu'aujourd'hui, la France est à un point de bascule, qu'elle est menacée de disparition. La partie en rouge que vous voyez sur cette carte représente l'ensemble de la population immigrée non européenne, si elle était concentrée sur une partie du territoire, soit déjà l'équivalent de ces 20 départements, comme vous le constatez. Chaque année, 500 000 entrées par an, un tiers des naissances aujourd'hui qui sont d'origine extra euh, européenne et donc, euh, chaque jour, des conséquences très lourdes, à la fois sur le plan euh, sécuritaire, sur le plan économique évidemment, mais aussi sur le plan culturel. Avec demain comme perspective la possibilité que l'islam puisse devenir majoritaire en France et ainsi voir la fin de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté des femmes. Et moi, j'ai deux, deux, deux petites filles et je ne me résigne pas à ce qu'elles puissent grandir dans une France où elles seraient étrangères dans leur pays. Et donc, c'est tout le combat que je veux mener pour la défense de notre identité, de nos frontières au Parlement européen, pour que la France reste la France et l'Europe reste l'Europe. François-Xavier Bellamy, une photo de campagne ou plus, plus précisément une courbe une courbe je suis désolé les graphiques ça n'est pas très amusant mais je me suis dit que c'était important de faire comprendre aux français ce qui se joue vraiment dans cette élection ce que vous voyez sous vos yeux c'est la projection du prochain parlement européen tout en haut en rouge c'est la famille politique à laquelle j'appartiens celle de la droite européenne juste en dessous celle des socialistes avec Raphaël Glucksmann derrière il y a toutes les autres listes qui sont représentées ici au parlement européen au cours des dernières années ce qui s'est passé c'est que nous avons eu affaire avec une coalition qui était formée des socialistes alliés avec l'extrême gauche avec les verts et avec les élus macronistes. Ils ont voté ensemble pour fragiliser notre agriculture, pour interdire le moteur thermique, pour combattre le nucléaire, pour affaiblir nos frontières. Et nous, nous nous sommes opposés à cette politique. Aujourd'hui, tout va changer, puisque dans le prochain Parlement, notre formation politique, celle de la droite, va retrouver les leviers pour agir. Nous devenons la première force politique en Europe. Bien sûr, la France traverse une crise démocratique très profonde. Mais nous avons en Europe les alliés pour pouvoir agir. Et c'est une magnifique nouvelle, parce que le renouveau, il est là. Demain, nous avons la possibilité de renverser la tendance, de faire en sorte que l'Europe retrouve son sens, retrouve le bon sens, et d'être le vrai contre-pouvoir à la dérive du Macronisme et au déclin du pays à Bruxelles et à Strasbourg pour faire entendre au Parlement européen la voix de la France et des Français. C'est ça qui se joue, c'est le seul vrai sujet de cette élection européenne, et c'est ce dont nous allons parler ensemble mmh. ce soir. Léon Desfontaines, une image de campagne. Oui, bonsoir. C'est une photo devant l'usine Metex avec le député de ma circonscription, François Ruffin. C'est une usine qui a failli fermer parce que l'Europe est incapable aujourd'hui de protéger nos usines. Alors fort heureusement, nous avons appris hier que les ouvriers avaient gagné et que l'usine allait continuer de produire. Mais quelles sont rares ces victoires oui, qu'elles sont rares parce que malheureusement, dans cette Union européenne, on voit nos agriculteurs être mis en concurrence avec les agriculteurs du monde entier. On voit ces ouvriers qui voient leur usine délocalisée à l'est de l'Europe parce que la manœuvre est moins chère. Et surtout, on le vit tous dans notre chair, c'est l'augmentation considérable des factures d'électricité ces derniers temps. Alors, face à cela, monte en France une colère et certains, par désespoir de cause, sont tentés de voter pour le Rassemblement national et notamment pour Jordan Bardella. Et j'ai envie de leur dire le Rassemblement national n'est pas. Une solution pour leurs problèmes, ils font partie du problème car systématiquement ils votent contre les intérêts des Français. Et la gauche que j'entends incarner, c'est celle qui vient débusquer avec Fabien Roussel ce qu'est réellement le Rassemblement national, à savoir un faussaire de la question sociale, et surtout qui refait du travail et des travailleurs comme ici sa grande priorité. Marie Toussaint, une image de campagne cette photo, c'est celle d'un scandale d'État. C'est celle du mépris des populations d'outre-mer de l'écologie et de la santé. Le visage que vous voyez sur cette photo, c'est celui de Miguel Martiniquez, qui tient entre ses mains le portrait de son père, ouvrier agricole, décédé d'un cancer parce qu'on lui a fait répandre pendant des décennies un pesticide nommé chlordécone. Tout le monde connaissait la dangerosité du chlordécone. Et pourtant, plutôt que de l'interdire, on a laissé faire, comme pour l'amiante, au détriment de la santé et de la vie de nos compatriotes. Alors ne recommençons pas. Nous devons interdire les pesticides dangereux et les produits toxiques comme les polluants éternels. En France, bien sûr, où Emmanuel Macron et son gouvernement freinent des quatre fers. Mais en Europe aussi, où les lobbies font encore la loi avec l'appui du Rassemblement national. Alors je sais que nous ne parlons pas beaucoup de santé dans cette campagne. Mais je vous fais la promesse que les écologistes feront tout pour faire de la santé la boussole des politiques publiques européennes. Nous poursuivons ce tour de table avec vous, Valérie. Yer, une image de campagne que vous avez retenue. Alors, l'image de campagne, c'est le Parlement européen qui est euh, le lieu du travail, euh, le lieu de mon travail. C'est là que j'ai inlassablement travaillé à votre service pendant euh, les cinq dernières années. Il n'y a rien qui me prédestinait à être devant vous ce soir. Rien. Et depuis le début de cette campagne, on a dit euh, à peu près tout et n'importe quoi à mon sujet. On a dit que j'étais euh, effacée, remplacée. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai pas besoin ni des commentateurs ni de mes adversaires pour parler à ma place. Je ne suis pas là par hasard. Je préside un groupe au Parlement européen. J'ai été désignée la députée française la plus, la plus influente au Parlement européen et je compte bien de rester. Alors évidemment, tout ça, pour moi, c'est nouveau. Madame Rouge avait plutôt l'habitude de vous voir depuis mon canapé et <laughs> pas de vous parler en vrai. Euh, les plateaux télé, je ne les ai pas courus pendant cinq ans parce que j'estime que ce n'est pas le job d'un député européen. Euh, je n'ai pas euh, euh, des contacts directs avec euh, les gens de ce milieu. Les punchlines, ce n'est pas mon truc, mais je sais d'où je viens et je sais pourquoi je suis là. Pour être à votre service, parce que vous avez besoin d'Europe, nous avons besoin d'Europe, et je veux continuer de transformer le, cette Europe pour qu'elle protège, pour qu'elle crée des emplois, pour qu'elle euh, défende nos valeurs fondamentales et les droits des femmes, pour qu'elle fasse que Apple et Facebook euh, paient plus d'impôts en Europe que le boulanger du coin. C'est ça la mission d'un député européen, c'est euh, ma mission, la raison pour laquelle je me présente devant vous euh, ce soir. Rien de plus, je ne triche pas. Nous terminons avec Manon Aubray, une image de campagne. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je viens d'assister à quelques grands discours politiques, y compris sur une mise en scène de soi-même. Moi, je vais essayer de parler des Françaises et des Français, et à savoir de leur facture d'électricité qui est extrêmement concrète. Cette facture, c'est une facture d'un boulanger à Elbeuf de plus de 14 000 euros par mois. Cette facture, elle a explosé, comme pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est plus de 45 en l'espace de deux ans. Cette augmentation, elle est le résultat du marché européen de l'énergie. Et je suis ici la seule autour de ce plateau qui me suis opposée à ce marché européen de l'énergie qui fait exploser nos factures d'énergie. Il y a un enjeu sur l'énergie, mais aussi un enjeu sur le prix du caddie. Quand on fait nos courses, le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 20% en l'espace de deux ans. Eh bien, avec la liste de la France insoumise que je conduis, je propose de bloquer les prix des produits de première nécessité. Je propose de bloquer les marges des entreprises agroalimentaires qui se sont gavées. Et je veux dire aux Françaises et aux Français, ce dimanche, ne faites pas le cadeau de votre abstention ou de votre résignation, euh, qui va profiter évidemment à Emmanuel Macron. Je vous dis, donnez-nous la force de tout changer. Alors l'Europe, elle peut parfois sembler peut-être lointaine pour les gens qui vous regardent ce soir. Alors comme tout premier exercice, avant d'amorcer un débat à proprement parler sur, sur l'immigration avec Patrick Cohen, qui va me rejoindre dans un instant, je voudrais vous faire faire un petit exercice aux uns et aux autres. Est-ce que vous pouvez me donner une mesure que vous défendrez au Parlement européen et qui pourrait changer la vie des Français Je commence avec vous, Manon Aubry. Sur la question de l'immigration ou de manière générale D'une manière générale, une mesure que vous avez à défendre qui pourrait changer la vie des Français. L'indexation des salaires sur l'inflation. Je parlais de oui. la vie chère en introduction et je pense que c'est le premier enjeu de cette élection. Je veux dire, on suffoque tous, on n'arrive pas, assez, on se prive de choses au quotidien, c'est de, euh, de la nourriture de bonne qualité dont on va se priver, c'est des vacances pour les enfants, c'est même, allez, c'est bientôt l'été, une glace pour nos enfants, ce genre de choses du quotidien, aller au cinéma. Parce que les salaires ne suivent pas l'augmentation des prix. Et on parle souvent d'exemple européen. Et eh bien pourquoi on ne prendrait pas l'exemple de la Belgique qui nous permet de faire augmenter les salaires au même niveau que l'augmentation des prix, ça s'appelle l'indexation des prix, l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça ça je décide pense... au niveau européen madame Et eh bien oui, on pourrait faire une directive cadre au niveau européen qui demande à l'ensemble des États membres d'adopter cette mesure. Vous voyez, l'Union européenne ne peut plus être juste cet espace de compétition sociale des uns euh, contre les autres, des travailleurs contre les autres et enfin, il faut nous donner un peu d'air. Et pour ça, il faut partager les richesses et notamment que les salaires suivent l'augmentation du coût de la vie qui est conséquent pour les Françaises et les Français depuis deux ans en particulier. Valérie Ayé, même exercice. Une mesure qui pourrait changer la, la vie des Français que vous défendriez euh, au Parlement européen moi, j'ai envie de parler aux Français de leur santé et de notre santé à, à tous. Euh, on a vu avec la crise sanitaire à quel point il y avait un besoin d'Europe aussi pour les enjeux de santé. Et moi, je, vais, je veux qu'on mette de l'argent sur la table, qu'on investisse ensemble, en commun, pour qu'on donne l'opportunité à nos chercheurs, à nos scientifiques de mettre au point d'ici à 10 ans. Je suis persuadée que c'est possible. Un vaccin contre le cancer. L'Europe, c'est un continent d'inventeurs. Si on met nos moyens ensemble, nos chercheurs ensemble, nos scientifiques ensemble, on peut avancer sur cette question. On peut mettre en, au point le premier traitement contre la maladie d'Alzheimer ou contre la maladie de Charcot, qui, qui touche toute notre famille, toutes nos familles. C'est ça aussi la puissance de l'Europe. Donc vous mettrez euh, au fond de l'énergie politique pour qu'on investisse sur la recherche au niveau européen. Exactement. Ça la recherche et, et, et développement, l'innovation, pour aller chercher. Le vaccin contre le cancer, et puis aussi, c'est mettre de l'argent sur la table pour produire nos médicaments chez nous, en Europe et en France, et ne plus dépendre de l'Inde ou de la Chine, comme on l'a vu au moment de la crise sanitaire. Raphaël Glucksmann. Partout où on va, on entend euh, que le logement est euh, un problème essentiel. Et donc, nous, avec l'ensemble de notre groupe, avec la famille social démocrate européenne, nous avons décidé de faire de la question du logement, mais un, un moment essentiel du début du mandat, quand on négocie l'agenda législatif. Ce que nous proposons, c'est un plan Marshall pour le logement, pour la construction de logements sociaux et abordables. C'est un plan Marshall qui permettra aussi de lancer enfin la rénovation thermique des bâtiments, ce qui est une mesure qui permettra d'économiser sur les factures d'énergie, ce qui est bon pour la santé et ce qui est bon pour le climat. Et enfin, je veux dire une chose, ça ne touchera pas tout le monde, mais en Europe, il y a 800 000 personnes qui, ce soir, vont dormir dans la rue. Et nous, nous avons un grand plan de lutte contre le sans-abrisme qui est fondé sur le plan logement d'abord mis en place en Finlande. Et ce que nous ont montré les Finlandais, c'est que la solidarité, donner un toit à ceux qui n'en ont pas, eh bien, était rentable parce qu'on économisait sur les frais d'hospitalisation, les frais de justice, les frais d'hébergement d'urgence liés à la vie dans la rue. Et donc, il faut mettre fin au sans-abrisme en Europe. Mais vous possible nous dites en que c'est au niveau européen qu'on peut décider de construire davantage de logements sociaux. Oui, on peut mettre en place un grand plan Marshall pour le logement, pour le financement des logements sociaux et abordables. Et ce sera financé, et on en parlera plus tard, ouais. notamment par l'impôt sur les multimillionnaires et les milliardaires que nous proposons à l'échelle européenne. Jordan Bardella. Il y a des millions de Français qui, euh, aujourd'hui, dans notre pays, n'arrivent plus à boucler les fins de mois euh, parce que le travail ne, ne paie plus suffisamment et parce que les dépenses contraintes sont de plus en plus étouffantes pour des millions de gens euh, qui font de plus en plus d'efforts et qui voient les factures continuer euh, d'augmenter. Il y a un sujet qui est lié au pouvoir d'achat dans le cadre de ces élections européennes, c'est la question de l'énergie. Moi, je ne me résous pas à vivre dans une société à l'euro près, dans une société où euh, l'électricité, euh, à cause des décisions qui ont été prises euh, notamment par, par Emmanuel Macron depuis deux ans, l'électricité a augmenté de 45% depuis deux ans. La première décision de Gabriel Attal, ça a été l'augmentation des prix de l'électricité de 10% au mois de février. Et on sait que les prix du gaz vont augmenter de 10% au 1er juillet si on ne se mobilise pas contre le gouvernement dans les urnes dimanche. Moi, je défends une mesure, c'est la sortie des règles européennes de tarification de l'électricité au niveau européen. Aujourd'hui, il y a une aberration. La France a, grâce au nucléaire, une des énergies euh, les plus propres et les moins chères d'Europe elle l'a toujours eu sous la Vème République, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Or, aujourd'hui, les Français sont privés de cet avantage comparatif à cause de ces règles européennes qui adossent l'électricité sur les prix du gaz. En sortant de ces règles de tarification des prix, en permettant à la France de retrouver cet avantage comparatif, je fais immédiatement baisser les factures d'électricité de 30%. C'est bon pour les, euh, les classes populaires, c'est bon pour les classes moyennes, c'est bon pour les Français, et c'est surtout bon pour euh, nos entreprises qui en ont bien besoin euh, pour pouvoir respirer un petit peu elles aussi. On va, on va poursuivre ce tour de table, mais je vois que Manon Aubry veut réagir. Je, je précise que quand il a fallu voter euh, contre le marché européen de l'énergie... Jordan Bardella n'a pas, 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 pas vu l'opportunité de voter contre et on voit qu'une nouvelle fois, il est une forme de courroie de transmission de ce que mmh. les Macronistes veulent et qu'il défend une nouvelle fois les entreprises énergétiques mmh. qui ont fait mmh. des super-profits. Ses votes parlent pour lui-même au Parlement européen quand il est là, puisque vous le savez, on l'avait surnommé Jordan Bardella au vu du, des mmh. 76 amendements mmh. qu'il a déposés en l'espace de 5 ans. Quand j'en ai déposé plusieurs milliers, 4 mais mes collègues ici, euh, ceux qui étaient députés, pour autant, donc pardon, je ne vous laisserai pas dire que mais... vous êtes opposé au marché européen de l'énergie parce que quand il a fallu voter contre, on a été bien seul, Monsieur Bardella. D'abord, Madame, euh, je, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Euh, S'il vous plaît, je vous demande d'en faire autant et de laisser euh, mon nom de famille là où il est. Je ne me permettrai pas de faire euh, des jeux de mots ou des blagues douteuses avec euh, votre Assumer nom, avec votre, votre, votre bilan, prénom. Euh, je n'ai pas voté et je suis très fier de ne pas avoir voté vos délires anti-nucléaires au Parlement ah, européen, qui vous euh, vous savez pas euh, Aujourd'hui, on met, euh, par le soutien que vous avez apporté, euh, notamment à la politique des Verts sous le gouvernement Hollande ou à la fermeture de la centrale de Fessenheim, gouverné, qui ont moi. mis nos systèmes énergétiques en très grande difficulté. Lorsque ah euh, les députés à l'Assemblée nationale du Rassemblement national ont proposé la sortie de ces règles de tarification des prix pour rendre du pouvoir d'achat aux Français par sectarisme, vos députés s'y sont euh, opposés. Mais je pense qu'en matière d'économie, on ne va peut-être pas prendre des leçons. Ah vous... euh, Et, de, nous le de la Et nous, nous reviendrons sur la Monsieur question Bernard, énergétique. Manon qui, euh, vous a créé Manon Brie, nous reviendrons sur la question euh, de l'énergie. Euh, Marion Maréchal, sur. Euh, sur euh, cette mesure que vous défendriez au Parlement européen qui pourrait changer la vie des gens qui vous regardent ce soir bah Écoutez, très concrètement, il y a une menace aujourd'hui qui est commune à l'ensemble du continent européen. C'est la menace de l'islamisation et l'islamisme. Encore cette semaine, vous avez vu, il y a eu une attaque sanglante au couteau qui a entraîné la mort d'un homme par un djihadiste en Allemagne. Il y a eu une tentative d'attentat sur le stade de Saint-Etienne, qui a été euh, déjoué et qui est orchestré par des, des djihadistes. Et Cela menace évidemment notre, notre quotidien, notre sécurité, notre tranquillité. Euh, or, il y a aujourd'hui euh, sur le sol européen des organisations euh, comme les Frères musulmans, comme Miligorus, qui sont des organisations islamistes, qui ont comme projet euh, revendiqué, public, assumé la conquête islamique du continent européen, qui pour cela ont euh, des méthodes voilà des méthodes elles, elles mettent en place euh, des, des mosquées elles ont des associations qui sont raccrochées à elles elles, font des, elles ont des leviers d'influence euh, elles, elles ont des prédicateurs évidemment qui portent leur message de haine et donc je crois qu'il est grand temps de sortir de la naïveté et de la complicité. aujourd'hui euh, la commission elle même se compromet hein, avec ces organisations. on sait par exemple que la commission a financé des associations comme islamic relief ou femizo qui sont proches des frères musulmans. Et donc l'un des grands combats que je veux porter, c'est demain, au Parlement européen, de faire interdire euh, aujourd'hui ces, ces courants, ces confréries sur l'ensemble du continent, pour les frères musulmans sur le modèle de ce qui se fait aujourd'hui euh, en Autriche, euh, pour permettre euh, finalement la fermeture de tout ce qui aujourd'hui se rattacherait de près ou de loin à ces organisations et qui leur sert évidemment de levier d'influence et de subversion de notre jeunesse dans la société française. Cela concerne combien d'organisations ah ben, il y en a plusieurs, mais les plus connues et les plus dangereuses sont notamment les frères musulmans, dont on a découvert euh, il y a maintenant euh, quelques, quelques jours seulement d'ailleurs qu'ils étaient près de 100 000, soit deux fois plus depuis euh, cinq ans, euh, qui sont d'ailleurs classés organisation terroristes dans un certain nombre de, de pays. Et je pense aussi à l'organisation Miligorus, Miligorus, qui est aujourd'hui, d'après un certain nombre de rapports étrangers et français, une organisation qui est un levier d'influence du nationalisme islamiste turc en France, Or, aujourd'hui, sachez-le quand même, en France, il y a des mosquées qui sont officiellement rattachées à Miligorus. Il y a en France l'école des frères musulmans qui se trouve dans le Morvan, qui s'appelle l'Institut européen des sciences humaines, qui est ouverte, qui forme des imams, qui forme des élèves, qui accueille des prédicateurs radicaux, sans que manifestement cela n'inquiète et n'offusque personne. Donc nous ne nous étonnons pas aujourd'hui des conséquences évidemment sur nous le Nous poursuivons avec vous, Léon Desfontaines. Une mesure concrète pour les Français on en parle très peu dans cette campagne européenne, c'est pourtant un vrai sujet européen, c'est la question des services publics. Vous savez, aujourd'hui, si un jeune Picard ou un jeune de Seine saint sanie voit sa classe fermée ou son lycée délabré, si nos fonctionnaires, nos enseignants, nos infirmiers dans l'hôpital public sont si mal payés, si on voit l'accès à la santé rendu de plus en plus difficile, mais aussi l'accès au logement, l'accès au transport rendu compliqué, c'est à cause des règles qui sont établies aujourd'hui à l'échelle européenne, des règles qui pourtant, en 2005, lorsque les Français ont été consultés, ils avaient dit qu'ils n'en voulaient pas, mais malheureusement, on a fait face à une nouvelle trahison, celle de Renaissance celle des socialistes européens, celle de la droite au Parlement européen qui ont voté pour le retour des règles austéritaires. Et si Bruno Le Maire, le Maire ministre de l'économie actuelle, annonce 10 milliards d'euros d'économie, c'est bien pour se plier aux injonctions de Bruxelles et de Strasbourg. Et bien, moi, c'est simple. Non, je dis, ça, mais je mais souhaite en fait, qu'on souhaite réinvestir massivement dans nos services publics, permettre d'offrir la meilleure qualité de formation à nos jeunes, permettre de développer des lignes ferroviaires du quotidien, finalement, permettre de répondre aux immenses défis qui nous font face. Peu la dette, c'est ça que vous dites, je pense. notamment aux défis. Bête. Mais en fait, la règle, juste qu'on se dise bien, mais la règle des 3% de déficit. Qui est imposée par l'échelle européenne, elle n'a aucune réalité économique. Elle a été jouée autour d'une partie de bento entre les dirigeants européens et elle s'est imposée. Il n'y a aucun économiste aujourd'hui qui est capable de nous dire pourquoi la règle des 3%. Donc si on a aujourd'hui des économies qui sont mises en place par Bruno Le Maire, c'est juste parce que euh, dans une salle obscure, certains dirigeants européens se sont dit tiens, ça va être 3%. Moi je le dis, si on, a besoin, si on veut permettre de créer une recherche et une formation digne de ce nom à l'ensemble des jeunes, un accès à la santé, répondre aux défis climatiques, notamment en construisant des grands travaux et notamment des lignes ferroviaires du quotidien et des grandes infrastructures utiles pour l'environnement, on aura besoin de moyens et d'air pour nos services publics, donc réinvestissement dans le service public. Marie Toussaint. Oui, moi ce que j'aimerais proposer, c'est d'essayer de faire baisser les prix sur ce qui est bon pour la santé bon pour la planète et ce qui permet de relocaliser notre économie. Et on peut faire ça à l'échelle européenne et à l'échelle européenne seulement. Ça veut dire réduire la TVA, ça veut dire mettre en place une TVA verte. Je vous donne quelques exemples. Des couches faites en Europe sans produits toxiques à mettre sur les fesses de vos bébés. On fait baisser les prix. On met une TVA à 0%. Des jeans en coton fait en Europe. On fait baisser les prix en réduisant la TVA. De la réparation, parce que quand on achète une machine à laver, ça coûte cher. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, quand on est chanceux, eh bien cette machine à laver tombe en panne et on ne sait pas comment la réparer. Eh eh bien, en réduisant la TVA sur la réparation, on peut à la fois permettre d'améliorer le pouvoir d'achat, de prendre soin de la planète, de diminuer la consommation des ressources et de recréer de l'emploi en Europe, un emploi qui peut nous servir aussi à notre souveraineté, à ne plus dépendre des puissances étrangères. Et on termine ce tour de table avec vous, François-Xavier Bellamy, une mesure qui peut changer la vie des Français que vous souhaiteriez défendre. Si vous me permettez, en 20 secondes, je voulais revenir sur ce que disait Léon Desfontaines. Je crois que c'est assez marquant parce qu'on voit bien qu'en réalité, on n'a jamais aujourd'hui autant endetté le pays, on n'a jamais prélevé autant d'impôts, et pourtant, vous avez raison de le dire, tous les services publics sont en situation d'extrême fragilité. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que c'est n'est pas en endettant les générations futures qu'on va réussir à se relever. Et nous proposons exactement l'inverse. Ce n'est pas la règle des 3% qui est contestée par les économistes. Je crois que vous ne trouverez aucun économiste qui dira qu'un État peut structurellement faire du déficit sans mettre en danger l'avenir. Aujourd'hui, le défi. Est... que le dérèglement climatique va coûter extrêmement cher. Et ce dérèglement climatique, vous ne souhaitez pas le buter contre. Mais Bien sûr que si. Mais la vérité, c'est que s'il suffisait de créer des impôts, des taxes et des emprunts pour lutter contre le réchauffement climatique, la France mais serait un paradis écologique. Aujourd'hui, elle est juste un enfer climatique. fiscal. Donc la vraie question, c'est. On reviendra sur la question de l'écologie, j'en suis sûr. Mm. C'est comment est-ce qu'on change de cap Moi, je crois que le grand sujet, tous les sujets qui ont été abordés sont mais le grand sujet aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche d'arriver à être efficace. Et aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, s'est enlisée dans l'impasse d'une production de normes, de règles, de contraintes, de contrôles qui rend la vie impossible aux Français et aux Européens. Moi, j'ai été partout dans le pays. Et quand je rencontre des médecins, des soignants, des agriculteurs, des gens qui travaillent dans le logement, ils ne me disent pas d'abord qu'ils ont besoin de pactes ou de plans. Ils me disent juste « Laissez-nous faire ». Laissez-nous bosser. Vous parliez de la santé. Aujourd'hui, pour qu'un médicament soit mis sur le marché, en Europe, il faut un an et demi de plus qu'aux États-Unis. Et en France, il faut encore souvent un ou deux ans de plus que par rapport à la règle européenne. Il Donc faut la absolument c'est la simplification. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui meurent, vous avez des agriculteurs qui crèvent, vous avez des gens qui bossent et qui ne s'en sortent pas à cause de ce poids des normes. Et nous nous proposons qu'on laisse enfin respirer pas à cause du libre les Français et du modèle économique de la PAC à que la vous concurrence. avez soutenu. La concurrence déloyale, elle vient d'abord du fait que la France impose des règles plus compliquées à ceux qui produisent chez elle qu'aux autres pays européens et les pays européens ne cessent de compliquer la vie de ceux qui produisent sur leur sol, tout en ouvrant leur marché à des gens qui ne respectent pas les mêmes règles. Donc oui, si on veut sortir de la concurrence déloyale, il faut d'abord retrouver le sens de la liberté. C'est ça le défi Et majeur. C'est une devant lequel très nous bonne in introduction au débat qui vont suivre euh, sur la question du libre-échange, sur les questions économiques, sur les questions environnementales. Mais d'abord, je vais demander à Patrick Cohen de me rejoindre. Bonsoir Patrick Bonsoir. Cohen, vous êtes journaliste à France Télévisions et je voudrais que vous posiez pour nous ce soir. Les enjeux d'un sujet sur lesquels les Français attendent des réponses de l'Union européenne. L'immigration, une priorité selon notre sondage Ipsos du 23 mai dernier. Et une compétence partagée entre l'Union et les États membres. La pression migratoire actuelle en quelques chiffres. 1,1 million, c'est le nombre de demandes d'asile déposées l'an dernier en Europe. 8 millions en 10 ans, dont 30 à 40% sont acceptés selon les années. 2023 a donc connu l'afflux le plus élevé depuis la crise syrienne 2015-2016 et les Syriens ont encore été l'an dernier les plus nombreux à demander protection devant les Afghans. C'est l'Allemagne qui a reçu le plus de dossiers, un tiers du total, autant que la France et l'Espagne réunies. Et conséquence de cet afflux, les pays d'accueil ont du mal à traiter toutes ces demandes. Fin 2023, près de 900 000 dossiers étaient en attente d'une première décision, d'où le compromis définitivement adopté le mois dernier par les gouvernements et les eurodéputés, ce pacte sur la migration et l'asile qui vise à accélérer le traitement des demandes avec un filtrage aux frontières extérieures de l'Union et un mécanisme de solidarité entre États membres en cas d'arrivée massive. L'Europe accueille aussi 4, près de 4,5 millions et demi de réfugiés. Ukrainiens qui bénéficient d'un statut à part, et elle fait venir des centaines de milliers de travailleurs qualifiés, non pas à l'initiative de la Commission, mais à celle de pays en manque de main d'œuvre et de gouvernements pourtant hostiles officiellement à l'immigration. 450 000 titres de séjour dans l'Italie de Giorgia Meloni, 500 000 dans la Hongrie de Viktor Orban et 400 000 par an en Allemagne. Voilà le cadre général. Avec une question pour commencer à vous tous l'échelle européenne est-elle la bonne pour le contrôle et le flux et la gestion des flux migratoires. Première question pour vous, Raphaël Glucksmann. Oui, c'est la bonne. Les gens qui euh, prennent leur bateau, qui risquent leur vie en Méditerranée, eh bien, ils ne désirent pas spécifiquement aller en Grèce ou en Italie. Donc, l'échelle européenne est la bonne sur la question de l'asile et aussi sur la question euh, de l'ouverture de voies de migration légales. L'échelle européenne est la bonne. Et le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est notamment le problème du pacte asile-immigration, c'est qu'il n'y a pas de politique migratoire réellement européenne. En réalité, nous sommes dans un système qui s'appelle le système de Dublin, qui délègue aux pays d'accueil, des pays d'entrée, l'Italie et la Grèce, l'ensemble du poids de cette question. Et donc ce que nous devons faire, c'est mettre en place une véritable solidarité européenne dans la gestion, avoir des critères d'accueil qui sont harmonisés sur l'ensemble du territoire européen. C'est avoir un système d'asile qui fonctionne et qui mette fin à la fois à l'indignité humaine que vivent les personnes exilées et au chaos de cette absence de coordination européenne. Et malheureusement, sous la pression de M. Orban, eh bien, le pacte asile-immigration a cédé là-dessus. Et donc nous n'avons pas de politique migratoire européenne alors que c'est un défi européen. Et moi je pense qu'il faut une véritable politique migratoire européenne. Valérie vous l'avez voté, vous, ce pacte d'asile et Je suis étonnée d'entendre Raphaël Glucksmann. Ah bah On n'a pas de politique migratoire européenne. D'accord. Alors, moi, j'ai voté ce pacte. Et je l'ai pas voté. Je suis la seule ici à l'avoir voté. Mais je ne l'ai pas ouais. voté toute seule. Je l'ai voté avec le PPE, le groupe politique de François non, ouais. Xavier Bellamy. Allez, je l'ai voté avec PPE, les sociodémocrates, démocrates le vous groupe politique de Raphaël Glucksmann. Il faut. Non mais, mais est-ce en fait, est que vous pouvez faut... arrêter de me faire cette remarque s'il vous plaît vous, vous aussi ah vous répétez mais... des, des tas de choses à chaque fois. Moi je vous, vous dis, c'est un sujet. il faut quand même ah, moi, la je je la vous faire observer. Non, c'est pas faux. François Xavier Bellamy, après, Ça n'est pas faux. Votre groupe politique a voté le pacte asile-immigration. Le groupe, le groupe politique des sociaux-démocrates – Mon groupe a voté le pacte et immigration c'est la bonne échelle, c'est la bonne réponse. Et moi, j'ai pas eu raison toute seule. On voit bien déjà dans les débats nationaux en France à quel point le sujet de l'immigration est un sujet euh, qui génère des passions et, et qui clive. Au Parlement européen, ça faisait des années, en Europe, ça faisait des années qu'en fait on essayait d'avoir enfin… Des textes, des lois européennes pour lutter contre l'immigration illégale. Ces derniers mois, on a mis les bouchées doubles. On s'est retroussé les manches pour enfin avoir des solutions que vous avez décrites, Monsieur Cohen, qui vont changer la donne. Ça paraît fou, pardonnez-moi l'expression, mais jusqu'à présent, on n'avait pas de système d'enregistrement des demandes d'asile. On n'avait pas de procédure harmonisée sur l'asile, Monsieur Glucksmann, Demain. Avec le pacte Asile-Migration, on n'aura plus 27 procédures différentes d'asile, on aura une seule procédure harmonisée en la matière. Et puis, les demandeurs, donc, c'est notre honneur. Euh, celui de la France, celui de l'Europe, d'accueillir les femmes afghanes, ceux qui euh, peuvent bénéficier et doivent bénéficier du droit d'asile. Et puis, à l'immigration, euh, les, les migrants les qui, euh, malgré la misère qu'ils fuient, n'ont pas vocation à être accueillis sur le territoire européen. Donc, on va leur dire, dans un temps très court, il y aura des zones tampons aux frontières de l'Union européenne, et on leur dira, dans un temps très court, vous ne pouvez pas rester. Et on les renverra par bateau ou par avion. Et moi, je souhaite non seulement qu'effectivement ce, ces textes ils soient appliqués le plus rapidement possible, et puis, je souhaite aussi que nous renforcions Frontex, euh, qu'on mette davantage de garde frontière et de garde côte euh, pour assurer la protection de nos côtes et de nos frontières. Aujourd'hui Frontex, c'est 10 000 hommes. Je souhaite qu'on porte à 30 000 hommes pour être encore plus efficace. Oui, Le texte que nous avons négocié au Parlement européen. Ce n'est pas, ce ne sont pas le résultat final du pacte asile-immigration, puisque tout a été cédé aux pays par qui justement refusaient, 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 refusaient. Je vous ai laissé parler. Refusaient la solidarité et on a tout cédé à M. Orban. et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de répartition solidaire et, bien, et, et que M. Orban peut considérer ouais. que sa participation, je veux dire... que sa participation, Alors, ce sera de construire des barbelés. Victor Orban, il était contre tout. À la fin, on a réussi à finaliser et avoir un texte euh avec des ajustements. Moi, y je oui. ne suis pas d'accord avec bon, tout, vous évidemment. Vous dites la des même des chose, c'est un compromis. Non, 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 on ne dit pas la même chose. Et on n'a pas du tout la même approche sur ces questions-là. Moi, j'assume, au Parlement européen, on est là pour porter des ambitions et pour faire des compromis. Si on dit toujours non, à la fin, c'est le statu quo. Et ça veut dire, avec le statu quo, c'est la Méditerranée qui reste un rapport cimetière de force. à celle ouverte. Ah pardon, il n'y a rien dans le pacte asile-immigration qui fait de la Méditerranée une chose Alors, ça n'est pas un débat à deux on va les réseaux de tâques tâques. On, on va rencontrer le contact. Ouais. Jordan Barber, oui, que, même, même question pour vous est-ce qu'il mais... est plus efficace sur ces questions euh, la coopération, la solidarité euh, au niveau européen ou euh, la souveraineté nationale Alors je dois vous dire que c'est assez savoureux de voir M. Glucksmann et, et Mme Ehe, qui représentent ce soir Emmanuel Macron, se battre pour savoir qui est le plus immigrationniste des deux. C'est quand même très savoureux parce que moi je me mets à la place des Français et, et quand euh, les Français qui nous regardent ce soir entendent euh, Mme Ayé, qui représente M. Macron nous dire que l'immigration est un sujet qui, en France, génère des passions, non, c'est un sujet qui génère des réalités extrêmement concrètes. C'est aujourd'hui, je considère l'immigration massive, incontrôlée, euh, une menace à la fois existentielle pour notre sécurité pour notre identité et pour nos comptes publics. L'immigration massive telle qu'elle est non contrôlée aujourd'hui dans nos sociétés entraîne une explosion de l'insécurité qui a des conséquences très concrètes sur la vie de nos concitoyens. On est ce soir en région parisienne, en Île-de-France. En Île-de-France, 93% des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Ile-de-France et 63% des agressions sexuelles, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers. Donc moi, je suis favorable faux, à un tournant en matière migratoire. Ça Pourquoi est-ce est que question, je ne hein. souhaite hein. pas, mais mais je je souhaite pas donner à l'Union européenne le rôle de protéger les portes et les fenêtres de la Maison France, parce que l'Union européenne considère l'immigration non pas comme un problème, mais comme un projet. Et lorsque la, 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 la ministre de l'Intérieur des Affaires européennes, commissaire interne, Mme Johansson, nous dit que l'Europe va devoir accueillir chaque année un million et demi de migrants supplémentaires, voilà à qui... Euh, Monsieur Glucksmann et Madame Meiller souhaitent donner les clés de la Maison France. Donc moi je milite d'abord pour l'instauration d'une double frontière. Je pense que ça, ça le contrôle que, euh, aux frontières Bardella, françaises est dire... insuffisant ça, ça, si et je, dire je dire souhaite qu'on puisse notamment refouler. À fois passe si... Non, non pas du tout. Je souhaite, fronto je, fronto souhaite pas ba... je, je souhaite qu'on puisse. Je souhaite qu'on puisse refouler systématiquement les bateaux de migrants qui arrivent sur les côtes européennes. Je ne souhaite plus. Que l'Union européenne se comporte comme une hôtesse d'accueil pour migrants qui aurait interdiction de refouler de des gens de de qui viendraient en mettant le pied euh, dans, la Donc, moi, bateaux, euh, dans la porte. Donc, moi, je mets en sécurité les bateaux par l'intermédiaire de Frontex. Vous savez que j'ai sur ma liste Fabrice Leggeri, l'ancien patron de l'Agence de garde On frontière européenne, préfet français, qui. Euh, doit se charger de raccompagner les bateaux analyser. de migrants dans les pays de départ, sinon c'est un Qui appel d'air. Deuxièmement, je souhaite que France, les Marlowe. demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et consulats des pays de mmh. départ. L'asile, aujourd'hui, crée les conditions d'une immigration de fait accomplie. On sait que deux tiers des demandes d'asile sont déboutées. Et dans le, la France d'Emmanuel Macron, où tout le monde rentre et personne ne sort, le taux d'exécution des OQTF est inférieur. C'est-à-dire des, des, des éloignements des à talibans. 10%. Et je souhaite, Normal. effectivement, je l'assume parfaitement. Mmh. Il y a un sondage de l'IFOP qui est sorti il y, a quelques, il y a quelques jours, la semaine dernière, et qui dit que les Français, à 66%, sont favorables à cette double frontière, c'est-à-dire à des ouais. contrôles renforcés au point de passage de l'immigration euh, euh, irrégulière. Renforcés. Il y a, madame, euh, des... Euh, pays euh, qui ne sont pas les plus petits autour de nous, comme l'Allemagne, qui ont mis en place ces contrôles aléatoires et qui ont permis euh, de faire chuter coup, le nombre d'entrées illégales. Allez... – Alors, de vous vous Marie, Toussaint. Déjà. Marie Toussaint, vous êtes très en retard, vous avez, vous avez la parole, allez-y. Mmh. Vous voulez interpeller question... sur euh, Jordan Bardella, sur ce qu'il vient d'être dit, sur la double frontière et sur les visas euh, qu'on irait demander aux talibans écoutez, ?– Écoutez, bah oui. cest même tout Toussaint va accueillir tout le monde, donc ça nous fait déjà oh. une… Une divergence euh... sur le sujet. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde, mais effectivement, quand j'entends M. Bardella avoir pour seule et unique proposition de toute cette campagne la mise en place d'une double frontière et qu'en fait, quand on creuse, il y a du vide, je trouve que ça représente assez bien, finalement, euh, la politique qu'il veut mettre en place. Mais je reviens à votre question, euh, compris, Mme Roux et, 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 et M. Cohen. J'ai tout très bien compris, euh, M. Bardella. Ah bon, bah voilà. Je reviens à votre question. Est-ce que c'est à l'échelle européenne que ça se joue En tout cas, sur la question d'asile, c'est le cas et il faut que ce le soit. Et justement, euh, l'Europe, elle s'est construite sur un projet qui était celui de tourner le dos au fascisme, euh, qu'on voit revenir aujourd'hui dans les rues de Milan, de Madrid ou de Paris. C'était un projet de valeur, en particulier l'humanisme. La solidarité et la responsabilité. Alors, sur l'humanisme, eh bien, oui, il faut mettre en place des voies sûres et légales pour que justement ces femmes afghanes n'aient pas à demander l'autorisation aux talibans pour pouvoir fuir leur pays où elles se font parfois massacrer, parce que je pense qu'il faut employer les termes. La solidarité, c'est la solidarité entre les États membres, parce que vous voyez, on ne peut pas laisser la Grèce et l'Italie seules accueillir les demandeurs d'asile. Et puis, la responsabilité, c'est celle d'une Europe qui agit aussi en faveur des pays dont fuit. Euh, les personnes dont elle fuit la misère, la guerre et la persécution, c'est-à-dire une vraie politique de co-développement. Vous avez associé le fascisme à Jordan Bardella Oui. Ah oui Vous savez, c'est pas du parce qu'il est bien poiré et bien ça, habillé qu'on oublie rangers, les origines de, de son parti. Qui pour noyer pas. leur complicité avec les islamistes avec qui vous défilez dans les rues de Paris. Vous vous souvenez, madame, Bardella. en 2019, quand vous avez marché avec les islamistes du CCIF qui relaient à l'Akbar à 100 mètres du Bataclan et qui depuis, vos amis d'Europe Écologie, les Verts, et qui depuis ont été dissous par le ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez, madame, quand... Euh, vous déployez des efforts considérables pour venir au soutien du Burkini par exemple ou des revendications politiques religieuses donc j'estime effectivement que euh, l'idéologie que vous représentez madame avec fois... Mano Aubry ce soir représente un, je vais vous un, répondre, un, un danger Je pense que vous avez la mémoire un peu courte puisque je rappelle pour tous ceux qui ne le savent pas que votre parti, le Rassemblement national et avant vous, le Front national a été créé par les anciens Waffen-SS. Bah Donc oui, monsieur Bardella, vous êtes bah oui. les héritiers des nazis et votre idéologie le démontre aujourd'hui. Est-ce que vous voulez répondre vous répondre à, à la question, à la question parce que est-ce est que où... c'est un sujet pour, pour les gens qui nous prennent en cours de route, qui sont en train d'ailleurs, je le rappelle, de nous écouter en ce moment même sur France Inter, qui est notre partenaire ce soir Est-ce que cette question de l'immigration, il faut la gérer, comme vous interrogez oui. tout à l'heure Patrick Cohn, il faut la gérer à 27 Est-ce que c'est le bon niveau Oui, oui, et il faut euh, de la solidarité et de l'humanité. On a transformé. Notre mer Méditerranée en un cimetière à ciel ouvert. La faute à des années de politique migratoire répressive où on laisse mourir des gens en mer Méditerranée. Donc j'assume de dire qu'il faut un accueil digne. Parce que, oui, monsieur Bardella, on ne quitte jamais <laughs> sa terre par gaieté de cœur. On ne monte jamais sur un radeau de survie au péril de, de sa vie comme on monte sur un, un, un bateau de croisière pour traverser la mer Méditerranée. Et je vais vous dire, puisqu'on arrive à la fin de cette campagne, moi j'en ai. Marre. Et j'en ai assez de cette démagogie, de cette espèce de course à l'échalote, euh, la double frontière, euh, la triple frontière, je crois, Marion Maréchal, la quintuple frontière. Vous pouvez mettre toutes les frontières du monde. Franchement, cette démagogie qui consiste à se servir des immigrés, de leurs descendants, comme une forme de chair à canon euh, électoral, elle est insupportable. Cette démagogie qui consiste euh, à dire immigration zéro, et puis, euh, vous, euh, vous l'avez dit à juste titre, quand Georgia Meloni est arrivée au pouvoir, elle a régularisé massivement 450 000 travailleurs parce qu'on en a besoin de ces travailleurs. Donc, oui, il faut de l'humanité et de la dignité. Ça veut dire une coordination au niveau européen. Il n'est pas normal que les États du sud de l'Europe soient les seuls à assurer l'accueil des migrants. On a su le faire pour les réfugiés ukrainiens, par exemple. Il n'y a pas de raison qu'on sache le faire pour d'autres. Et puis, il faut aussi agir sur les causes des migrations. Parce que, comme je l'ai dit, en général, si vous quittez votre territoire, c'est que vous n'avez pas d'autre choix. Et quand le gouvernement, le un des premiers budgets qui coupe, c'est l'aide publique au développement, quand l'extrême droite, y compris, vote des accords de pêche inégaux, vote des accords commerciaux inégaux, alors il pousse les gens sur les routes du monde. Le réchauffement climatique va pousser les gens sur les routes du monde. Donc oui. il faut agir à ce niveau-là, mais jamais, jamais, vous me verrez oui. euh, euh, mettre à terre notre humanité, notre dignité la plus élémentaire, comme l'extrême droite est en train de Et le faire. Et quand vous parlez de Frontex, vous vous dites c'est une agence de cow en mer. Oui. Mais vous savez, M. Légéric est sur la liste de M. Bardella. Il a été directeur de Frontex. Il a été poursuivi d'ailleurs par l'agence anticorruption de Frontex. Il a notamment fait ce qu'on appelle des refoulements illégaux. C'est-à-dire qu'il prend des migrants en mer Méditerranée, l'agence Frontex, et qu'il les ramène illégalement dans des États. Comme la Libye, au péril de leur vie, où, où ils vont se faire torturer. Et ce monsieur il les géré. poursuivi. poursuivi. frontières, est poursuivi. de l'État. Il y a une plainte pour crime contre ouais. l'humanité. Non, non, lui. il y a une plainte ça de vos amis d'extrême gauche. Et ça en dit long aujourd'hui. Sur ce que veut faire M. Bardella et Allez. cette politique migratoire qu'ils veulent pour le pays et l'Union européenne, qui est absolument inhumaine. En tout cas, c'est intéressant de voir que Jordan Bardella maintenant soutient Frontex, parce que sur le mandat qui vient de se passer, jamais il a soutenu le financement de Frontex, qui normalement est nécessaire pour que l'agence puisse fonctionner. Non, non, pas du tout. En fait. Si, si. Non, non, Allez, vous, vous n'avez jamais voté ouais, Je ne soutiens je... pas, madame, non, non. la prise en charge de bateaux systématiques pour les répartir bah, en fait, dans les États membres. Vous êtes très en avance sur le temps de parole, François-Xavier Bellamy. Personne Béla. dans ce pacte migratoire, là ce soir, n'a évoqué le, le volet essentiel que tous les Français doivent bien avoir en tête. Ce pacte migratoire, il prévoit quoi euh, Madame Ayer parle de solidarité. En fait, c'est la répartition obligatoire des migrants dans les États membres qui arrivent sur les côtes européennes, dans tous les États membres avec une clé de répartition. Et pour les États membres et pour les peuples qui refusent d'accueillir cette immigration, il y a des sanctions financières Com qui s'appliquent. Combien en France C'est l'immigration désormais Monsieur obligatoire. Barilla, combien en France vous, vous allez me dire 20 000. Vous allez me dire 20 000. 4 000. Ah, d'accord. Vous allez dire 20 000 sur 5 ans, donc. 4 000. Oui. <laughs> 4 000 donc, 4 000, non, 4, le 4 000 chiffres, par an. Donc, sauf, que chiffres, hein. sauf que vous savez Pourquoi pertinemment, vous M. M. Cohen, ouais, et les Français ouais, savent ouais. pertinemment que c'est un chiffre minimum et non pas maximum. Allez, François-Xavier François -Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, votre vision. Ce qui est frappant, c'est que sur ce sujet, on est en train d'assister à un débat qui est très révélateur de ce qu'on a vécu pendant 5 ans au Parlement européen. Sur ce sujet, il faut évidemment. Évidemment, bien sûr, une coopération européenne pour protéger ensemble les frontières extérieures de l'Europe, parce que oui, c'est un défi existentiel pour le continent européen, et il faut ensuite garantir la souveraineté nationale des États membres sur leur politique migratoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons combattu, nous, le projet de relocalisation obligatoire des migrants, que portait en effet Emmanuel Macron, c'est la raison pour laquelle nous avons combattu pour pouvoir faire en sorte France, de Benhamis, financer, et vous étiez, Valérie, Ayet, la première pas. à le combattre. Nous avons combattu avec notre groupe politique pour que la politique européenne puisse financer des infrastructures physiques de protection des frontières extérieures. Ça c'est des murs, c'est ça. Des murs, des infrastructures là où c'est nécessaire, là où c'est pertinent. Et oui, figurez-vous que c'est un ministre écologiste en Finlande qui a construit des centaines de kilomètres de murs à la frontière entre la Finlande et la Russie parce qu'en effet, l'idéologie sans frontieriste que vous êtes en train de propager. Poutine. Oui, c'était pas pour arrêter des Il y a aussi un ministre de la Défense écolo dans les pays baltes qui essayent de se protéger de Vladimir Poutine. Non, mais euh, la vérité c'est que si vous refusez de construire des murs, vous acceptez que Vladimir Poutine, comme Loukachenko, comme Erdogan, vous dont vous êtes en réalité les complices, instrumentalise, vous vous la, la, la déstabilisation quand vous vous focalisez migratoire, sur la migration, mais pardon, vous prêtez le flanc à des gens comme Erdogan et comme Poutine qui veulent manipuler les vous Européennes et les Européens en vous jouant vous avec des vagues migratoires. Vous n'avez euh, pas entendu les, les États européens qui criaient leur détresse quand Poutine. Loukachenko, quand Erdogan utilisait des vies humaines pour déstabiliser oui, nos exactement. pays parce que c'est ce qui se passe et en refusant dit. de protéger nos frontières parce que je vous entends en ce moment dire qu'il faut en réalité abdiquer l'idée qu'on a des frontières à défendre en refusant de protéger nos frontières vous êtes en train de vous faire les alliés de ces puissances autoritaires oui. comme vous êtes en train manon aubry de transformer la méditerranée pas en, pas Méditer. en cimetière oui, parce que qu'est ce qui fait est ce, qu fait qui est au est -ce que en Europe, je monsieur, termine ami, je, je pas sais pas que des sais des ça vous dérange d'entendre la vérité je sais que vous avez un problème avec le réel mais souffrez que je vous réponde. Aujourd'hui, ce qui fait que des gens meurent en mer Méditerranée, ce qui devrait tous nous empêcher de dormir en effet, ça n'est pas que l'Europe a des frontières, c'est que l'Europe n'en a plus, parce que tout le monde sait dans le monde entier que si vous arrivez à mettre le pied illégalement sur le sol européen, vous avez toutes les chances d'y rester. Et ce que nous proposons nous, c'est de sortir de cette impuissance, de conditionner. Toute aide européenne, tous les visas de tous les pays européens au pays de départ à une stricte coopération sur le sujet migratoire. Ça, nous l'avons proposé pendant des années au Parlement européen. Et l'alliance que vous voyez là, celle qui est formée <laughs> par la gauche, par les socialistes, par les macronistes, par les verts, par l'extrême gauche, l'ont combattue avec détermination. Et pendant ce temps-là, temps je voudrais quand même le dire aux Français, pendant ce temps-là, le Rassemblement national était aux abonnés absents. Parce que j'entends ce que vous dites aujourd'hui, vous avez des certitudes sur tous les sujets. La vérité, c'est que en réalité, c'est nous qui l'avons proposé. C'est oui, nous qui l'avons qu écrit. Je dis pas que nous étions absents, d'accord Mais voté. où sont vos propositions Où sont les amendements ben, que vous je viens avez de vous bouger, les présenter Où sont les négociations que et vous avez portées au Parlement européen Les batailles menées La vérité de cette histoire C'est-à-dire les, les batailles que... menées Je me suis battu contre la présidente de la Commission vous vous européenne. Et de votre vous, vous êtes battu contre votre famille politique. Vous êtes battu contre l'agence Frontex qui défend aujourd'hui les Je vous ai entendu tout à l'heure en introduction faire l'apologie du Parti populaire européen. Non, j'ai expliqué la j'étais. J'ai expliqué pourquoi j'étais expliqué La chef de cette famille politique à la tête de la Commission européenne. Qui a été installée par. C'est président... la, la, la présidente Qui a été installée par Emmanuel famille. Macron au cas où vous n'auriez pas suivi la manière dont ça s'est passé. Elle n'est pas elle, elle est, est PPE, c'est-à-dire elle est de votre famille politique. Donc, En attendant, c'est le PPE qui a combattu ce bilan cette politique qui est le vote, monsieur Bellamy Et vous je et vous, vous, et vous, et vous rappelle que ça n'est pas notre bilan. Votre bilan à vous, c'est d'avoir combattu Frontex quand nous défendions Fabrice Légeri quand il était directeur exécutif. tellement bien défendu qu'il a fait le choix de nous Je regrette que l'opportunisme malheureusement défigure parfois la vie politique. Ne respectez pas les serviteurs de l'État, monsieur Bellamy. Vous n'êtes pas de gauche et cette inélégance ne vous ressemble pas. Je, je suis désolé de le dire. L'inélégance consiste effectivement à dire aujourd'hui devant les Français le contraire de ce qu'on a fait pendant cinq ans. Et moi, je veux dire simplement aujourd'hui. Vous avez parlé on a des, besoin, des murs. Est-ce que c'est la seule mesure que vous défendez sur la question de, de et, et, l'immigration Nous l'avons voté. Vous non, avez voté contre conditionner les aides et les, et les aides européennes et les visas des pays européens, à la coopération des, des pays de départ pour la reprise de leurs immigrants clandestins sur le sol de nos pays, et faire en sorte à la fin que la maîtrise de la politique migratoire Reste nationale. Parce que nous, nous disons qu'on a besoin d'une coopération européenne, mais qu'on a besoin bon de prêt. garder cette décision nationale. C'est le sujet démocratique. Et c'est la raison Et pour laquelle notre famille politique a porté le référendum d'initiative partagée en fait sur, en fait sur les, les questions Finalement, On, on peut peut-être rappeler débat... la question du début. Euh... <laughs> oui. Mais... <laughs> C'est-à-dire, est-ce que l'échelle européenne <laughs> est la bonne pour traiter les flux migratoires, leur gestion, leur maîtrise Oui, oui, oui bien sûr. Oui. Ce que je constate moi depuis 15 ans sur la question de la politique migratoire, c'est finalement qu'on est confronté à deux mensonges. Le premier, c'est celui de nous dire... Que finalement on pourrait arriver à zéro immigration. C'est ce que proposait Giorgia Meloni en Italie, de mettre en place un blocus maritime pour qu'aucun migrant entre sur les terres italiennes. Et finalement, vu que c'est un phénomène social, elle se retrouve dans l'obligation de régulariser, français, de régulariser français, 450 000 travailleurs euh, sans papier. L'autre mensonge, c'est celui de faux, dire que potentiellement il pourrait y avoir euh, aucune frontière, sauf preuve du contraire, un État sans frontières. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Donc les frontières sont là pour les personnes, mais on a tendance à l'oublier, elles sont aussi là pour les capitaux et les marchandises. Et si aujourd'hui, parce qu'on parle des frontières Si aujourd'hui le narcotrafic pullule dans nos quartiers et notamment des enfants meurent parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment, c'est justement parce qu'on n'a plus la maîtrise de nos frontières sur la gestion des capitaux et des marchandises. Les marchandises qui arrivent sur le territoire national aujourd'hui ne sont pas contrôlées. On ne sait pas ce qui arrive sur le territoire national. Seuls 1% des conteneurs au Havre sont contrôlés. Donc moi je veux reprendre la maîtrise de nos frontières, notamment sur les flux de capitaux et de mais marchandises. Mais sur la question des personnes. Pour empêcher, oui, mais parce qu'on parle des frontières souvent uniquement sur la question des personnes. Je suis désolé, mais si aujourd'hui on a des narcotrafics n'est pas un sujet à vos yeux Si, si, comptables. bien sûr, et je vais y venir. Mais si aujourd'hui les narcotrafics pullulent dans nos, dans nos quartiers populaires, notamment, et partout en France, c'est avant tout parce que justement on ne contrôle pas, et parce qu'on a cassé, notamment, la droite puis, puis François Hollande. On a cassé le service public de douane. On a supprimé 6 000 postes de douaniers. Donc si aujourd'hui on a des conteneurs qui arrivent avec de la drogue, c'est parce que justement on n'a plus assez de douaniers. Ceci étant dit. Sur la question migratoire. Je pense que la question centrale qui n'est pas posée, c'est la question de l'intégration. La politique migratoire de la France et de l'Europe ne peut se limiter à donner ou non des titres de séjour. Et moi, je crois à l'intégration par le travail, c'est-à-dire que celles et ceux finalement, qui produisent des richesses, qui parfois sont les seuls à faire fonctionner certains de nos services publics, eh bien, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres. C'est pour cela que nous avons défendu, avec Fabien Roussel notamment, la régularisation des travailleurs sans papier. Et quand j'entends l'extrême droite nous dire zéro immigration, ils ne disent pas zéro immigration parce qu'ils veulent offrir les emplois actuellement occupés par les à des travailleurs français. Sinon, comment se fait-il que le député de Fournas du Rassemblement National embauche tous les ans sur son exploitation agricole une main-d'œuvre immigrée, alors qu'il y a 19 de Français au chômage C'est ça la réalité. La réalité, ré c'est que lorsque Ce le Rassemblement plus, National, lorsque le lorsque pas, le rassemblement oui il y a 19 défense. de chômage dans la circonscription de monsieur Defronas je pense qu'il pourrait embaucher la Allez réalité c'est qu'ils en profitent pour avoir une main d'œuvre à bas coût la réalité c'est que le rassemblement national fait le travail d'un certain patronat qui aujourd'hui en profite d'avoir une main d'œuvre immigrée qui donc peut payer au lance donc vous défendez la régularisation c'est ça faut régulariser tout le monde. les travailleurs sans papiers bien évidemment parce que sinon les gens comme de combien Defronas combien de personnes continueront personnes à, à payer aux lance-pierres certaines main d'œuvre immigrée et malheureusement beaucoup moins les français et donc moi je souhaite en effet aujourd'hui sortir de cette question que tous les travailleurs sans papier on ceux, tout le monde. Celles et ceux qui cotisent, celles et ceux qui payent des impôts aujourd'hui sur le territoire national doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que l'ensemble des travailleurs, des travailleurs en situation régulière. Oui. C'est comme, comme cela, c'est comme cela. Monsieur Bellamy, je ne vous ai pas coupé. C'est comme Mais cela qu'on qu arrivera à mettre un terme à cette concurrence déloyale entre les travailleurs. Voilà pourquoi nous portons la régularisation du travailleur sans papier. C'est une question juste de bon sens, tout simplement de bon sens. Oui. Donc, qui Marion Maréchal, Maréchal, sur, le ça, Maréchal, sur des ce des sujet, est-ce que la réponse aux questions et problématiques d'immigration, se fait à 27. C'est surtout comme cela qu'on fera exploser l'immigration clandestine. Mais pour vous répondre plus précisément, moi je. J'entends depuis tout à l'heure, voilà, la gauche s'exprimer dans la générosité de vouloir accueillir, par exemple, les femmes afghanes. Hein. Donc si je les écoute. En effet, il faudrait, il faudrait accueillir les, les, les 20 millions de femmes afghanes que, qui se trouvent aujourd'hui en Afghanistan, même si c'est le prix à payer pour cela et que la France devienne elle-même l'Afghanistan hein, sous le coup d'une islamisation qui qui s'accélère. Je, 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 je les entends, je les entends très, je les entends très soucieuses de la misère de l'autre bout du monde. Je les, je les trouve beaucoup moins soucieuses des conséquences aujourd'hui de l'immigration sur les femmes françaises. Vous voyez, je viens chaque semaine faire un débat et chaque semaine... Euh, bien malheureusement, j'ai euh, des exemples de, de drames dramatiques causés par l'immigration. Oui, je sais, vous ne voulez pas les entendre, ces exemples ne vous non, intéressent pas. Madame vous, vous avez les le droit des femmes à géométrie vous variable. Vous vous en fichez complètement. Est-ce que vous défendez voilà. le droit à Vous vous, en, vous fichez complètement du fait que cette mais semaine, il y a eu portable. une femme à Bourg-en-Bresse qui a été violée dans les toilettes de la gare par un mineur isolé qui était connu des services de police. Ça ne vous intéresse pas. Ça Madame, ce droit des femmes-là, ça ne vous intéresse pas. Des les femmes viol, françaises, ça ne vous... Ça ne vous commis... – voilà. Le fait qu'aujourd'hui, le calmez-vous, f... calmez-vous, et... calmez ça, ça, ça vous êtes est insupportable, mais c'est une vous réalité et, vous, et vous, vous ne voulez non. pas la voir. Le... La réalité aujourd'hui, c'est que le coût de l'immigration pour les Français est devenu insupportable. Il est devenu insupportable sur le plan culturel, avec des Français qui aujourd'hui ne se sentent plus chez eux dans de nombreuses parties du territoire. Il est devenu insupportable sur le plan sécuritaire et tous les jours, les chiffres nous en font la démonstration. Chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, pas mes chiffres à moi. Tous les jours, il y a aussi des conséquences sur le plan… Euh, économique. La réalité aujourd'hui, c'est le taux d'inactivité des immigrés dans notre pays est beaucoup plus élevé que le taux d'inactivité des Français. Nous avons aujourd'hui, c'est les chiffres de l'Insee. Nous oui. avons aujourd'hui 42% des résidents algériens qui sont sans activité ou au chômage, 42% des Marocains, 48% des Turcs. sur les oui. solutions européennes. Excusez-moi, c'est important, c'est important de le dire parce que tout ça, ça se paye. Voilà, ça bon. se retrouve sur l'impôt sur le revenu des Français qui aujourd'hui doivent Remplir le tonneau des Danaïdes de l'assistanat et qui ne s'en sortent plus. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, évidemment qu'il doit y avoir aujourd'hui un durcissement de notre politique européenne. Évidemment que l'Union européenne, en complément d'une politique nationale, doit pouvoir nous aider à apporter des solutions pour protéger nos frontières communes. Et donc, pour cela, eh bien, il faut en effet trois types de réponses. La première, c'est d'abord, en effet, accompagner la euh, frontière nationale avec une réforme de l'espace Schengen qui serait dorénavant la libre circulation dorénavant réservée seulement euh, aux Européens. Une réforme du droit d'asile, une réforme. Vous, vous savez, ça existait avant 1985. Pop, je ne sais pas quel âge vous avez, mais, 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 mais en l'occurrence, tous, tous coup, les pays du monde ont des frontières et tout ça. Vous ne semblez pas mais le mais savoir. Juste, faut mais c'est très simple. En Cobelge, on ouais. arrête tout le monde à nouveau. On fouille les sacs. C'est quoi le plan je, je continue, si vous permettez. Je vous répondrai juste après pour vous expliquer comment on fait pour avoir des télépéages, par exemple. Comment la modernité, comment la modernité nous permet de contrôler aujourd'hui les arrivées. Je continue. Donc, une bon. réforme de l'espace Schengen, une réforme du droit d'asile qui aujourd'hui est beaucoup trop laxiste euh, et qui contribue aujourd'hui à alimenter une immigration clandestine, la suppression de la directive sur le regroupement familial. Il faut aussi une réponse sur les frontières européennes. Il faut défendre ce qu'a bloqué le gouvernement français et allemand, un blocus naval en Méditerranée qui est une, une coordination des moyens militaires des pays membres pour pouvoir intercepter les bateaux, les ramener dans les ports d'origine et détruire les embarcations euh, une fois euh, sur, euh, sur les côtes. Il faut également que l'Union européenne, dorénavant, ne donne plus d'argent pour l'aide au développement si les pays qui en sont les bénéficiaires ne s'engagent pas ne s'engagent pas à reprendre leurs clandestins il Alors faut financer il faut les, financer, les migrants de l'autre côté de la méditerranée il faut financer ou ils sont renvoyés, oui mon plan, plan c'est très, très, très clair aider les populations qui souffrent de misères, misères qui est parfois créé par l'Union européenne mourir sur mon place mon plan est très clair c'est dissuader ah bah C'est c'est de l'humanité. c'est ça renvoyer plan. voilà parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus Allez. la capacité de pouvoir accueillir ces populations depuis tout à l'heure on parle de migration et Il y a d'autres sujets À, abordés, à, à aucun mais moment, à aucun moment, on a juste posé un constat sur le fait que nos sociétés, que les sociétés allemandes, françaises, italiennes, ont un besoin de migration. Ça a été fait et au début de la, et, de la et, conversation. Et non, mais je dois le dire. 000 je dois le dire. 000 je dois le dire. Je dois le dire. Madame Mélonique quand elle change d'avis. Et qu'elle invite 450 000 travailleurs. Ce n'est pas Bruxelles qui dit à Mme Mélanie de faire ça. Ce n'est pas, pas le gouvernement français qui Monsieur le dit. Luxman. Ce sont en les Italie, chefs d'entreprise le italiens qui Italie, le disent. En Italie, il n'y a pas les politiques sociales. En et donc, y a moi, j'ai une proposition. En Italie, il y a des visas de travail conditionnés seul pays de, seule. Seule oui, de à la On va laisser répondre à légales de des migration qui permettent justement d'avoir une arrivée sécurisée, encadrée, maîtrisée de travailleurs qui peuvent ensuite repartir. Et tout cela n'est pas mis sur le tapis. Pourquoi Pourquoi Parce que nous avons des dirigeants qui sont tétanisés par vos déjà, propos, tétanisés là, par l'extrême droite et qui n'osent pas, pas parler de cette migration légale. Et ensuite, vous pouvez faire un accord avec les pays de provenance où ils reprennent leurs ressortissants qui n'ont pas de titre de séjour et qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Mais pour cela, vous avez besoin d'ouvrir ces voies légales. De réaction or, rapide. or de tout, réaction rapide. tout cela de réaction rapide. est rendu impossible par vote. Marie Toussaint, est-ce que, que vous défendez... Vous... ...entre les revenus du travail et celui de l'assistanat Permettez-nous justement que, vous... que les Français reviennent et... au travail et, et soient payés dignement, c'est ça l'enjeu En temps de parole, est-ce que vous défendez vous aussi l'ouverture de voies légales d'immigration de travail et pour quel type de travail Est-ce que ce sont des travailleurs qualifiés que vous voulez faire venir dans nos sociétés européennes. Bien sûr, je dit tout à de l'heure des voitures illégales, d'abord pour celles et ceux qui fuient la misère, la persécution, la guerre, euh, l'oppression pour des raisons parfois euh, d'orientation sexuelle. Donc, oui, on a besoin de ces voitures illégales et évidemment euh, que ça doit toucher les questions migratoires, une fois euh, que c'est au niveau européen, puisqu'on est dans des élections européennes, qu'aujourd'hui la question migratoire ne l'est pas. Je veux quand même dire deux petites choses. La première, c'est que dans les pays où les amis euh, de M. Bardella et de Mme Maréchal sont en responsabilité, euh, que ce soit euh, la Hongrie, euh, on a vu il n'y a pas longtemps euh, l'Argentine, enfin, euh, l'argentine en ce moment le brésil euh, ou encore l'italie? c'est la dévastation économique c'est l'explosion de la précarité en particulier de la précarité des enfants et c'est la dévastation environnementale ce n'est pas une solution ce n'est pas bon, une solution et la deuxième côté, chose c'est oui, qu'on voit bien euh, dans ce débat qu'il y a une espèce d'obsession euh, identitaire vous me laissez parler madame maréchal ou, il y a une espèce d'obsession identitaire on a entendu les introductions de M. Bardella de madame maréchal qui nous parlait de cette submersion qui mettrait tout en risque et bien moi je veux le dire ce soir la première préoccupation le plus des grand, grand risque pour les européennes madame Toussaint. allez y allez y Allez-y, S'il vous plaît, laissez terminer Marie tout ça. Merci. S'il vous plaît. Allez Merci, en plus, ça va être court. Le plus grand risque qui nous menace, ce n'est pas la menace du grand remplacement, c'est un fantasme. Mais c'est la menace du grand réchauffement, du grand dérèglement climatique. Et celui-là, il est déjà sur nous et il coûte déjà mais extrêmement cher chance, en vie humaine et de façon protégé, économique. Un mot. Oui, Monsieur Bardella, vous, avez vous parlez vous avez... de mon quartier. Non. Mais vous savez, moi, j'ai grandi Très comme bien. vous. On peut avancer, il y a d'autres sujets. J'ai grandi comme à vous dans un quartier populaire, au pied des mardis d'immeubles, avec euh, les mers isolées, les rixes de bande oui, je et, vous... et le narcotrafic. Et je je vous que savez, que à vous la fin, je ne suis pas partout, devenu facile. Je ne suis pas devenu facile. Allez, Donc, on a fait, fait une sur ce sujet. Il y a d'autres sujets à aborder, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Patrick Cohen, d'être venu à mes côtés pour animer ce débat. Nous allons ce soir maintenant passer aux questions des téléspectateurs, car les téléspectateurs de l'événement vous interrogent. Première question à Jordan Bardella, c'est une question d'André de Limel Brevan dans le Val-de-Marne. Il vous demande, vous souhaitez réduire au maximum l'immigration, forcerez-vous les chômeurs à prendre les postes non pourvus, éboueurs, égouttiers, métiers du bâtiment Non, mais euh, il faut bien comprendre. Et il faut euh, lui répondre. Hein. Euh, je, non, mais je vais répondre. Mais que l'immigration pèse depuis maintenant plusieurs années à la baisse sur les salaires. Et l'immigration est utilisée pour euh, créer une concurrence par le bas avec les travailleurs français. Monsieur Desfontaines, moi je vous ai entendu tout à l'heure faire euh, un peu dans la même philosophie, me poser cette question et poser cette interpellation. Mais moi je vous renvoie aux déclarations de votre leader historique, monsieur Marchais, qui, dans les années 80, précisément, expliquait que euh, le fait de, venir, de faire venir des étrangers pour faire soi-disant le travail que les Français ne voudraient pas faire, créait en fait les conditions d'une concurrence déloyale sur les salaires et tirer les salaires vers le bas. donc ce non, système est il pas est pas parfaitement sans fin. nous vivons peux, dans un pays. je pardonne, hein, mais je pense que les éboueurs qui répondent euh, aux, aux offres d'emploi sont oui. des français. Je veux dire, il faut faire une distinction entre l'immigration régulière M. et le fait de régulariser. Euh, les travailleurs clandestins dans euh, des euh, secteurs qui créent évidemment les conditions d'un tirage des, sal des, des salaires vers, euh, vers le bas. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et on ne peut pas réduire aujourd'hui le phénomène migratoire qui bouleverse totalement le Autre visage d'innombrables quartiers de France à euh, le, la, la, question du, la question économique. Quoi, Autre du question. L'idée, ce sont des réponses courtes. On ne relance pas le débat, ben, s'il si vous plaît, je, je sais Mais bien. Mais j'aimerais savoir ce que pense Alors, M. M. Desfontaines des, des propos M. M. de Il y a une question pour vous qui n'a pas fonctionné. chose à voir avec euh, euh, notre précédente discussion sur, sur l'immigration, je vous pose cette question de Raymond euh, qui habite à Pitgam dans le nord, pourquoi les jeunes se désintéressent-ils euh, des élections européennes Mais pas tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent ouais. et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on garantisse le fait que cette élection européenne soit suffisamment lisible pour les jeunes et ça mon sentiment, et ça rejoint ce que je voulais dire à l'instant, c'est que cette crise civique qu'on connaît aujourd'hui, elle est directement liée, ce n'est pas une question européenne, mais à la première crise pour notre pays aujourd'hui, qui est la crise de l'école. La crise éducative. Je l'ai vécue comme professeur pendant dix ans, ça a été mon premier engagement public de crier mon inquiétude comme tant de collègues sur cette crise de l'école aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'effectivement aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui ont grandi dans notre pays, qui sont français, qui ont... Euh, parcouru toutes les étapes de l'éducation euh, nationale et qui pourtant n'ont pas réellement reçu, pas par leur faute mais par la nôtre, les moyens de s'approprier complètement l'exercice démocratique. Et ça, c'est ce qui me faisait réagir à ce que vous disiez à l'instant, Raphaël Glucksmann, ou à la question que posait l'intervenant le, précédent. Les, les personnes qui viennent en France, qui sont euh, immigrées, ne sont pas seulement des, 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 des rouages de la machine économique. Moi, je trouve la question très inquiétantes. On ne peut pas considérer ces personnes comme des, scolaire, scolaire, aller, comme, de des comme des gens qui vont aller, comme des gens... Non, pas, bien sûr que non. J'ai même pas eu le, débat, la le temps de terminer On ma phrase que vous êtes le le déjà en train de m'accuser. <laughs> Moi, j'ai fait vivre <laughs> le système scolaire, contrairement à vous, je m'y suis engagé pour le faire ouais. tenir debout malgré toutes les difficultés que la gauche, depuis des années, lui a imposées. Aujourd'hui, le vrai... Le vrai grand sujet, c'est de reconstruire... C'est Juste en un mot, c'est de reconstruire l'unité de notre pays. Et l'unité de notre pays, elle suppose effectivement qu'on mette fin à ces flux migratoires qui empêchent complètement toute possibilité d'intégration. Les gens qui viennent ne sont pas des rouages dans le monde économique et les traiter ainsi, c'est d'une manière totalement matérialiste et parfaitement cynique chercher des bras ailleurs pour ne pas répondre aux problèmes de notre modèle social. On avait imaginé vous donner une minute pour répondre à cette question. On aurait peut-être dû imposer cette règle là. Vous aurez une question très intéressante. Moi, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Et personne n'y a répondu, donc je veux bien le faire. Alors. En avant, si plus. vous le voulez bien, j'accueille à mes côtés Sandy Dauphin. Ah. Bonsoir Sandy, merci de me rejoindre. Vous êtes spécialiste des questions d'environnement à France Inter. Notre partenaire ce soir, je rappelle que France Inter diffuse ce, ce débat et voulait revenir sur un vote, peut-être dont vous vous souvenez, qui a marqué l'Europe. Oui, regardez ces images. Elles ont été tournées en 2019 au Parlement européen. À l'époque, les eurodéputés déclarent une grande majorité... L'urgence climatique, dans la foulée, les 27 adoptent un plan climat sans doute le plus ambitieux au monde. Il s'appelle le pacte vert. L'émission de gaz à effet de serre, il faut les réduire de moitié d'ici 2030 par rapport à 1990. Fini les ventes de voitures neuves thermiques en 2035. Il faut plus de panneaux solaires, sortir des énergies fossiles plus d'usines de batteries électriques en Europe ou encore une taxe carbone aux frontières. Le pacte vert démarre sur les chapeaux de roue, mais l'élan est retombé. Il y a eu la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation, plus récemment la colère des agriculteurs. L'écologie est dans le viseur il y aurait trop de normes, le sujet crispe. En attendant, la planète continue de battre des records de chaleur, inondations, canicules, sécheresses, le climat s'emballe. Alors j'ai une question pour vous. Quel avenir pour le pacte vert Est-ce que vous poursuivez ou bien est-ce que vous le détricotez Pour répondre à consulter. cette question, Valérie, vous avez du retard de temps de parole. Oui, euh, on le met en œuvre. Le pacte vert, vous l'avez décrit, c'est un objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 parce que le réchauffement climatique, c'est une réalité. On le voit dans le nord de la France avec les inondations, dans le sud de la France avec les sécheresses. Et donc, euh, ces lois que vous avez décrites, elles sont importantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Maintenant, l'enjeu, c'est la mise en œuvre et c'est les financements. Euh, on a euh, déjà mis de l'argent sur la table. Le plan de relance qu'on a voté au lendemain de la crise sanitaire pour faire que notre économie ne s'effondre pas, c'est 250 milliards d'euros sur 750 milliards pour financer euh, la transition euh, environnementale. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de ça, euh, je vous fais une annonce ce soir. Allez euh, demain, demain mercredi, la Commission européenne va verser à la France 7,5 milliards d'euros. Euh, dans le cadre de ce plan de relance, ah, pour, ça, financer, ça, pour financer, donc, 500 marrant, le développement, la modernisation de 500 petites lignes. Il y a des, il y a des dates, des, des timings, ah, bah, Monsieur oui, Bardella. Bah, oui, si bah, vous aviez travaillé, vous l'auriez su. Ah, donc, bah, oui, et oui, en oui, fait, ces 7,5 milliards d'euros, ils vont être très concrets dans la vie des Français. C'est la rénovation de 500 petites lignes ferroviaires partout dans le territoire. C'est 1 600. C'est 1600 bornes électriques Chacun qui pourra. vont être déployées partout dans le territoire. Donc c'est ça la transition environnementale. On a fait des lois. Maintenant, il faut de l'argent. Et euh, ça, c'est le plan de relance qu'on a voté en 2020, qui est en train de se décliner au fur et à mesure. Il faudra, généreux, problème, madame, il faudra très un, probablement si aller bien genre, plus genre, loin encore. C'est la raison pour laquelle mmh. moi, je porte... Euh, un plan d'investissement massif dans les secteurs stratégiques pour la prochaine mandature, mille milliards d'euros, notamment avec le de pour sécurité, aller financer milliers. le nucléaire. Euh, permettez vous de terminer. Allez-y, peut-être sur pour ces, pour ces 000 milliards. Alors, notamment, je vous expliquerai comment je vais les financer sans problème. Pernois, notamment ce soir. pour aller financer le nucléaire, qui est une énergie propres, abordables et qu'on produit sublime. chez nous, et pour aller financer aussi, mettre de l'argent sur la table pour que... Ouais. Et des usines, il y en a quelques-unes qui commencent à, à sortir de terre, mais des deux usines pour de produire part, en, France, part, en France, France et en Europe des voitures électriques, pour développer l'éolien. E ah. Donc ah. ces ah. engagements, ah. ces financements... — Alors vous avez beaucoup de, de sujets la sur la lesquels on va revenir dans le détail. Je vois que Marie Toussaint a du retard mmh. euh, sur ce sujet-là tel que ça vient d'être évoqué. Investir, donc en faisant un emprunt, j'imagine alors, euh, y a, sur les 1 000 milliards d'euros, il y a trois sources de financement. Oui. Très, Un, vite. Bah, de oui, mais... euh, très vite. C'est important de l'expliquer. Oui, mais. Très vite effectivement, en, euh, emprunter en commun à 27, voilà. on est plus fort. Et la deuxième source de financement, c'est qu'on va faire payer paye ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôt aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, Apple, Apple Facebook, Facebook paient moins d'impôts aujourd'hui en France fait les que le boulanger du coin. qui ensuite Laissez-moi terminer, Manon Brie. C'est moi qui bosse au Parlement européen sur la question ah oui. des ressources propres. Vous et je peux vous dire que... Et non, très bien. Vous spécialiste des impôts européens. Alors, madame quand même, vous avez pas pas envie que Facebook paye des impôts. C'est Madame, madame, madame Cassis. Pas envie que Google paye des impôts. Je désolé, alors Madame si je Kassi, impôts, assumez madame vos positions. Ils ont choisi de vous appeler Madame mons Moi, impôts, moi je, suis, je suis tout à fait fière moi, de, de dire que, que demain, il faut, personnellement. Il, faut, il faut que Google paye plus bon. d'impôts qu'il n'en paye aujourd'hui en France. Aujourd en, ah enfin, ouais. Il faut que Pardon les entreprises. Bon, alors laissez-moi terminer parce que vous êtes trop. Vous que vous allez tous avoir le deuxième. parole sur ce sujet. Un, les géants du numérique et les entreprises chinoises qui polluent. Ça, Ça, va être la deuxième source de financement. Troisième source de financement l'épargne des Européens. Aujourd'hui, on a 30 000 milliards d'euros d'épargne des Européens qui dorment sur les comptes. Et quand ils ne pas sur les comptes, souvent, ils vont financer des fonds de pension américains. Et donc, en fait, on finance la croissance des états unis Et moi, ce que je dis, c'est qu'on doit pouvoir offrir l'opportunité aux Français, aux Européens, de mettre leur argent, d'investir leur argent dans des industries qui sont stratégiques pour notre avenir. – Marie Toussaint, Marie sur le pacte vert, vous êtes très sur ce sujet. Léon Desfontaines, je vous assure, tout le monde va parler sur ce sujet. Marie Toussaint, qui est très en retard. Ah oui, européens. donc le livret A va devenir un livret européen. Non, En, Je vais plus. Finir, ah. hein. en plus évidemment. C'était juste une question, excusez-moi madame Détricoter le pacte vert ou pas, c'était la question qui était posée par Sandy Dauphin qui évoquait aussi ces colères qui se sont exprimées euh, par les Français euh, et par l'ensemble des agriculteurs européens. Oui, mais elle parlait aussi de l'accélération du dérèglement climatique, on pourrait y ajouter la perte de la biodiversité auquel madame Haye ne répond absolument pas, toutes ces pollutions, ces produits toxiques répandus partout et donc l'enjeu c'est pas est-ce qu'on arrête ou, ou est-ce qu'on continue, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on se met en capacité de sauver le climat et la biodiversité Sauf que voilà, on a effectivement eu des colères qui sont arrivées. Mmh. Des colères qui sont arrivées et qui ont porté sur quoi Eh bien, le pacte vert, nous, les écologistes, nous l'avons soutenu. On en a besoin, on a besoin d'agir pour le climat. Mais par contre, il lui fallait une jambe financière, un plan d'investissement qui n'est pas arrivé et une jambe sociale. Et donc ceux là même qui aujourd'hui vont vous expliquer qu'il faut arrêter le Pacte vert, qu'il faut le détricoter. Ce sont Ou les faut hypocrites. Ralentir, faut écouter ce les sont, Ce sont les hypocrites qui ont refusé et de financer le Pacte vert et de financer l'accompagnement social. Et vous savez, au fond, ça m'étonne pas parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, on voit bien qu'il apprend pas de ses erreurs. C'était la même chose avec les Gilets jaunes qui dénonçaient une taxe carbone injuste. C'est la même chose avec la colère des agriculteurs qui demandent à vivre dignement de leur travail et à être. Pour pouvoir investir dans la transformation agricole et en fait on ouais, les laisse tomber. Et sur la, politique, la politique, sur la, la politique du gouvernement, la politique de Monsieur Bellamy, c'est celle qui consiste à tourner le dos. Et au climat, et à l'économie, au et aux au populations. Manon Bré, je crois, si vous me le permettez, Madame Mayet, que il y a une double hypocrisie, euh, une triple même, je dirais. La première, c'est que le président Emmanuel Macron a théorisé la pause sur les normes environnementales, désobéi aux normes en matière de pollution de l'air et d'énergie renouvelable alors que la catastrophe climatique est face à nous. La deuxième hypocrisie, c'est que vous parlez de relocaliser notre production, mais vous signez à tour de bras des accords de libre-échange. Vous faites venir du lait de la, la Nouvelle-Zélande, vous faites vous venir des haricots verts du Kenya, vous faites venir de la viande du Brésil et du Canada et moi je suis fier de présider au Parlement européen, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Mais il y a une troisième hypocrisie, comme si finalement vous n'aviez rien appris de la crise des Gilets jaunes qui consiste à savoir à la fin qui va payer. Parce que, pour moi, l'écologie. Pardon, mais ça doit pas être un truc de riche, un truc de luxe. Parce que les plus pauvres sont déjà les premiers à subir les effets du dérèglement climatique. Et sur la question qui va payer, par, vous n'êtes pas madame mais vous êtes madame cadeaux fiscaux. Qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, depuis sept ans, avec l'onction de la Commission européenne C'est multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches en et aux entreprises. Multinationales. Et, et après, les vous les venez, viser. puisque parce que je que termine là-dessus, puisque c'est la question aussi qui est liée au pouvoir d'achat. Et vous multipliez les cadeaux fiscaux okay, et après vous, venir, vous venez faire la poche des plus pauvres avec la réforme de l'assurance chômage, l'augmentation du reste à charge sur les médicaments, cette austérité budgétaire. Européen, et je termine là-dessus parce que l'austérité budgétaire vous l'avez votée conjointement avec les socialistes et la droite. Et je termine là-dessus parce que la fin, la question de qui va payer, elle est essentielle et centrale. Et moi, qui va propose... payer la transition énergétique Exactement. Et je propose pour cela un impôt sur la fortune européen qui permette euh, de mettre à contribution euh, les plus riches. Et ça rapporte combien ça rapporte 220 milliards d'euros pour être très précise et largement de quoi financer euh, la transition écologique. Et j'observe que non, pas sur cette proposition, systématiquement, l'extrême droite, euh, Jordan Bardella, s'y oppose. Et il est un peu sur les questions économiques et sociales le Emmanuel Macron de rechange en la matière. Oh, 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 oh. Et je ne sais pas pourquoi vous vous y vivement opposez la fin de la, vivement le 10 systématiquement. Hein. Oui, vivement le 10 juin, Monsieur Bardella, parce pourquoi que ce vous sera l'occasion. Pourquoi est-ce que vous dites ça là. Parce qu'à euh, chaque fois qu'on propose de, da de taxer, de mettre à contribution oui. Oui. Les, plus le fortunes, les plus grandes fortunes... Mais Monsieur Bardella, vous voulez, euh, je ne sais pas, euh, Mais... garder votre héritage de Jean-Marie Le Pen C'est pour mis ça mis que vous ne voulez milliers... pas le taxer Mais dis oh, le, niveau... le nous La réalité, c'est que vous voyez... Jordan Bardella, quand il s'agit de s'opposer à la taxation des plus grandes fortunes, à la taxation des superprofits, quand bon. il s'agit d'augmenter les salaires minimums, il vote systématiquement contre. Il est un peu le, le ventriloque du 440. Il défend très bien ses intérêts. Donc, Et je pense que Valérie Hayet a un allié de poids en la matière. Donc la question initiale de Sandy, qui était faut-il détricoter non. le pacte vert Non, il faut accélérer. Il faut accélérer. Et le, accélérer. le financer il faut en, en faisant cohérence. payer. Et il faut euh, de la les cohérence, plus mettre fin aux accords de libre-échange, transformer notre bon. modèle agricole et investir. Si euh, Raphaël Glucksmann est en retard sur le temps de parole. Raphaël Luxman sur cette question qui nous est posée et qui Mais est une question structurante du débat de, de, de ces Européens. C'est sans doute l'une des questions les plus importantes de cette élection. Parce que la droite et l'extrême droite sont en train de faire du pacte vert européen le bouc émissaire de l'ensemble des problèmes aujourd'hui en Europe. Eh bien, nous, le groupe social-démocrate, nous avons porté ce pacte vert de A à à Z, à la Commission la européenne la et, et, et au Parlement européen. Et, 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 donc, et, donc, et, donc, et donc, nous allons le défendre. Mais nous allons défendre le passage à la phase 2 de ce pacte. Plus simplement les objectifs contraignants et les normes, On mais les investissements massifs. Pas. Mais les investissements massifs. Les investissements massifs qui seront la réponse européenne oui. à l'Inflation Reduction Act acté aux États-Unis. Ce qu'il faut, c'est ce qu mettre en place <laughs> un protectionnisme écologique européen aux frontières de l'Union européenne, ne plus laisser rentrer les produits qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos producteurs. Ça s'appelle les mesures miroirs. Oui. C'est mettre en place un Buy European Act, une loi achetée européenne qui réserve en priorité les commandes publiques européennes aux productions c'est accepter de défendre les productions européennes. Moi, vous savez, ça, ça crée de la richesse, Raphaël. Ça crée de l'industrie. Moi, je veux que la transformation écologique soit plus d'usines et pas moins d'usines. Plus d'emplois dans l'industrie et pas moins d'emplois dans l'industrie. Et juste vous citer un exemple, ouais. puisqu'on dit qu'il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. Un exemple Sistovi, une entreprise de production de panneaux photovoltaïques à Carquefou, près de Nantes. C'était une entreprise florissante. Eh bien, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Pourquoi Parce que la concurrence déloyale chinois qui repose sur la mise en esclavage des Ouïghours, oui. sur une, des subventions massives et sur une stratégie de vente à perte, la concurrence chinoise a divisé ses prix par non. quatre. Donc en quelques semaines, on a laissé se faire ratiboiser un fleuron de notre industrie. Et moi, je vais vous dire, aux États-Unis, quand il y a une concurrence déloyale, eh bien, ils taxent à 135%, au Canada à 235%, et en Europe à 16%. Il y en a marre. Cette transformation écologique doit être le moment où les oui. Européens réindustrialisent l'Europe et où ils mettent fin à leur indolence, à leur permis, permissivité, à leur naïveté et au fait que nous soyons le dernier continent sur Terre à croire que les règles de l'OMC ont été données par Dieu à Moïse. Non, on doit protéger les intérêts européens et faire de cette transformation écologique, le grand ah, moment levier de où le croissance. Reprend en Alors, son destin. Euh, Léon fondaine sur ce qui vient d'être dit oui, aussi et plus généralement sur cette sur ce, ce rendez-vous européen Je... sur la question du pacte vert. Merci monsieur Glucksmann d'aborder la question des panneaux photovoltaïques notamment qui étaient produits en France. Il faut bien que les Français aient conscience de pourquoi aujourd'hui il y a cette concurrence chinoise. C'est parce que les Allemands, lorsqu'ils ont tourné le dos au parc nucléaire, ils se sont rendus compte qu'ils devaient investir massivement et notamment installer des panneaux photovoltaïques. Ils ont demandé à ce qu'on abaisse les taxes de douane chinoises pour que justement les panneaux chinois viennent irriguer le marché et qui on puisse accéder que les Allemands puissent accéder à des panneaux photovoltaïques à bas coût. Moi, je souhaite dans cette campagne européenne rééquilibrer parce qu'à chaque fois sur les questions européennes, finalement, la France se retrouve les dindons de la farce et tout prime pour les Allemands. Sur la question environnementale, moi, ce que je dis surtout, c'est qu'il faut remettre le discours scientifique et rationnel au cœur de, de nos ambitions. Et finalement, si on veut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, atteindre notre fameuse neutralité carbone en 2050, il y a deux dessins, deux chemins qui se dressent devant nous. Soit on investit dans le 100% renouvelable, mais on accepte que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, pas suffisamment de soleil, eh bien on ne produit pas suffisamment d'électricité pour faire fonctionner nos services publics, faire rouler nos trains, permet de réindustrialiser le pays. Le deuxième chemin, c'est celui que nous nous proposons c'est le mix énergétique nucléaire et renouvelable, permet de créer de nouveaux réacteurs nucléaires permettant à la fois de baisser les factures des Français et les factures des entreprises, permet de répondre à l'impératif environnemental étant donné que c'est l'énergie la moins carbonée aujourd'hui qui existe, et troisièmement qui permet de produire suffisamment d'énergie pour engager les grands travaux dont nous avons besoin, utiles pour l'environnement et réindustrialiser le pays. Juste je le dis quand même, on est le seul parti politique à avoir produit. Un plan climat, c'est-à-dire comment on atteint notre neutralité carbone en 2050. C'est 120 pages. Tiens, Marie Toussaint, je, je te le donne, je, je vous le te donne. Remercie. Vous je le lirez avec attention et on en je débattra. Avec on plaisir. Vous avec pas, plaisir on pas attendu ah ben, les communistes pour Organisons un débat, ça me ferait plaisir. Tiens. Avec plaisir. Sur la voiture électrique, euh, c'est l'une des mesures phares hein, du, du pacte vert, la fin de la vente des véhicules neufs thermiques en 2035. Euh, monsieur Bellamy, vous dites que ça va, ça va trop vite en fait. Non, ça va dans la mauvaise direction. Le vrai sujet, c'est qu'il faut décarboner les transports, mais que se fixer cette norme-là, c'est faire un cadeau immense à la Chine, qui en réalité aujourd'hui est le principal responsable des émissions de carbone. Et en fait, la myopie de ce débat, moi, je la trouve fascinante. L'Europe aujourd'hui, le, la crise climatique, c'est évidemment les émissions de carbone. L'Europe, c'est 7% des émissions mondiales. 93% des émissions sont faites en dehors d'Europe. L'année dernière, la Chine a ouvert deux nouvelles centrales à charbon par semaine. Elle fait à elle toute seule... 33% des émissions. Quand vous allez voir... Un éleveur de charolaises que j'ai rencontré il y a quelques jours, en lui disant que c'est lui qui est responsable de la crise climatique et qu'il faut produire moins en Europe, parce la que c'était le projet de décroissance agricole que vous avez que la vous avez porté. C'est les voitures électriques. Vous avez les quand vous allez quand voir de quand vous allez voir. Mais non, mais quand vous, vous avez allez avez voir quand vous allez voir un français. l'industrie de l'automobile qui allait à l'encontre de ce que vous, vous avanciez. Bien sûr que non. Je garde évidemment le cap quand vous allez voir un et français quoi, qui roule dans sa voiture en lui expliquant que pour sauver la planète, il va falloir qu'il achète chinois. Il a raison de penser que vous avez perdu la tête. C'est ça. Savez, la peux, de l'impasse dans laquelle nous Parce sommes aujourd'hui. Monsieur Tavares a répondu à M. Hélène M. Que... Tavares, c'est quand même le patron de Peugeot ah, ça Citroën. C'est la, la première, fois. Fois. La première ouais. fois que Marie Toussaint prend des grands patrons non, comme référence. Vous, vous savez, euh, ça arrive à plusieurs reprises qu'un grand nombre d'industries aient envie d'avancer. Par exemple, l'Engie, qui a euh, euh, appelé à, à continuer le, le, le pacte vert et la lutte contre le dérèglement climatique, contrairement à ce que ça, votre famille politique portait. Mais le patron de Peugeot Citroën. Carlos Tavares, il a dit ⁇ La planète n'attend pas ⁇ Il a dit que plus était nous prenons du retard pour cette décision. ⁇ La planète n'attend pas. Et plus nous prenons du retard, plus l'écart avec les Chinois s'accroît. Pourquoi et bien Parce non, que plus nous allons soutenir et investir et donner des directions claires. À l'industrie automobile, plus elle sera en capacité de produire en Europe et de cesser d'importer des véhicules de. Vous, Chine. vous pouvez conclure sur ce juste, sujet Vous été interrompu. Juste en un mot, le vrai sujet, c'est de décarboner, mais de laisser l'industrie libre de chercher les solutions. Si M. Tavares veut faire des véhicules électriques, c'est son choix. Mais il faut aujourd'hui qu'on puisse sortir de cette norme, comme de toutes les normes absurdes qui détruisent la cause du climat. Vous évoquiez le vote qui a eu lieu sur l'état d'urgence climatique. Oui. Moi, je voudrais vous raconter le vote qui a eu lieu le lendemain. C'était en 2019. Le lendemain, je me rappellerai toujours, un amendement déposé par Les Verts a dit qu'il fallait fermer le plus rapidement possible toutes les centrales nucléaires en Europe. Et il a été voté cet amendement par la gauche, par les macronistes, par l'extrême gauche. Eh bien, nous nous disons qu'il faut faire la décarbonation par notre industrie, avec notre agriculture, avec Alors, nos pêcheurs, et pas contre en eux. Et fait, la politique qui ne aucun objectif mais industriel, mais en réalité, c'est vous, c vous on... qui créez la crise laisse, climatique. En rendant on nos pays, pays dépendants d'une production bien plus carbonée à l'extérieur de l'Europe. Marion Maréchal de ne s'est pas exprimée sur ce sujet. au contraire faire du sujet. marché européen le levier pour la décarbonation des grands producteurs mondiaux. Marion et ça, c'est le sujet du mandat qui Marion vient. Marion Maréchal, sur le sujet tel qu'il a évolué, euh, le pacte vert, faut-il euh, ralentir et écouter les colères qui se sont exprimées, notamment, on n'en a pas parlé ce soir, mais euh, portées par certains agriculteurs sur la question euh, des normes. Et puis, euh, la question qui vient d'être posée, c'est deux en un pour vous euh, ce soir, euh, sur la voiture électrique. Qu est quelle est mais, votre, déjà, votre position Merci de rappeler la raison pour laquelle les agriculteurs sont allés dans la rue. Ils sont allés dans la rue, en effet, pour alerter sur les conséquences du vote, sur leur, sur potentiel leur de ces textes qui allaient avoir sur leur profession. Moi, j'aimerais quand même rappeler deux choses avant de rentrer dans le détail. Aujourd'hui, la France c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Deuxième chose, la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées aux importations. Ça veut donc dire que le véritable enjeu écologique, selon moi, c'est d'abord de faire en sorte de produire de nouveaux. En france et, et donc, ça n'est certainement pas et ça n'est certainement pas en votant non, faut, le fameux le dire, pacte vert poli s'il vous plaît, vous plaît. Euh, quand ce n'est certainement pas en, en votant ce pacte vert qui aurait pour conséquence d'aboutir à la baisse de la production industrielle et agricole d'après les différents rapports qui ont été émis que nous aboutirons à cela nous avions trois atouts que nous avons euh, enfin, pas que nous, mais que les gouvernements oui. successifs ont saboté. Nous avions l'agriculture, que nous avons sabotée par, euh, aujourd'hui, le, le libre-échange euh, et des contraintes de plus en plus lourdes. Nous avions une industrie, que là aussi nous avons sabotée du fait du libre-échange et de l'enfer fiscal dans lequel nous avons enfermé notre économie. Nous avions en effet le nucléaire, qui là aussi a été saboté. Nous avons fermé Fessenheim, qui pouvait produire l'équivalent de 4000 éoliennes. Moi, j'aimerais m'attarder sur une mesure de ce pacte vert. Dans, il y a une directive, la directive sur les énergies renouvelables, qui impose que d'ici 6 ans seulement, eh bien, euh, la moitié de la production électrique européenne soit... Issus du renouvelable et évidemment majoritairement des éoliennes et du solaire. Eh bien, ah, la donc, conséquence de ça, cela, c'est qu'on vient d'inaugurer à Etretat 71 éoliennes, euh, donc euh, au, au large des magnifiques falaises d'Etretat, et que Emmanuel Macron prévoit d'ici 2030. La construction de 20 000 éoliennes. Ça veut dire que faut les Français en aient conscience. On va recouvrir l'intégralité de la façade maritime française d'éoliennes. Non, non, c'est tout à fait vrai. C'est annoncé d'ailleurs. Avec pour conséquence le saccage des paysages, la baisse de, de l'immobilier, des conséquences sur la biodiversité. Ça vous intéresse et pas oui. beaucoup, Madame Toussaint, notamment sur et les oiseaux. Si, et, et surtout, excusez-moi, on investit savez, massivement. Ça nous a coûté près de. Attendez, ça nous a coûté près de 41 milliards d'euros sur les 20 dernières années dans une énergie qui coûte plus cher et qui produit moins que le nucléaire. Donc moi, j'ai une solution très simple que tous ces financements aujourd'hui que nous orientons et européenne. que les Français, excusez-moi, payent sur leurs factures d'électricité, nous les réorientons vers le nucléaire, notamment un grand plan du nucléaire européen pour déployer, y compris le savoir-faire européen nucléaire, sur euh, l'ensemble du continent, et au-delà de ça, bien sûr, de financer euh, bah, tous les transports décarbonés, comme le fluvial et le ferroviaire, comme le projet Lyon-Turin, qui est aujourd'hui combattu systématiquement par la gauche. J'ai un, un petit exercice à vous, à, à vous demander, si vous le vous. voulez bien, et si vous voulez respecter euh, la règle du jeu, c'est-à-dire de répondre rapidement, en moins d'une minute, parce qu'on on ne peut pas avancer plus avant dans ce débat sans évoquer vraiment la question économique. Euh, régulièrement, on entend que l'Europe décroche. Euh, une mesure pour créer euh, de la richesse en Europe, quand on parle de l'Europe qui décroche, c'est quand on la compare notamment à ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine. Un tour de table rapide sur la façon, au fond, de créer de la richesse en Europe. Manon Aubry. Moi, je propose un grand plan de relocalisation euh, en Europe pour produire. En France et en Europe, ce dont nous avons besoin, ce qui veut dire à la fois rompre avec le libre-échange généralisé que j'évoquais un instant, mais aussi investir dans nos entreprises stratégiques, nos usines de panneaux solaires. On évoquait l'usine de Metex qui sert notamment, qui produit de la lysine qui sert à des médicaments et on peut plus être l'idiot utile du village mondialisé, mais ça veut dire un pilotage de l'État d'une part et la fin de la concurrence généralisée. On parlait du rail à l'instant, la Commission européenne a demandé la mise en concurrence de fret SNCF, ce qui veut dire que demain davantage de camions vont circuler sur les routes de France et d'Europe plutôt que sur des Valérie. trains. Donc il faut relocaliser. Protéger et investir dans, le public. investir dans les secteurs qui sont stratégiques en Europe. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Effectivement, les États-Unis, les Américains, ils ont mis 370 milliards d'euros sur la table pour soutenir leurs industries vertes. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, ils sont à 1 000 milliards d'euros d'investissement. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette de l'argent sur la table en Europe, sur les secteurs qui sont stratégiques. Ça nous permettra de recréer, donc de réindustrialiser, de ne plus être dépendant d'autres puissances et de recréer des emplois. Typiquement sur la voiture électrique. Moi, je suis pas la tenante du défaitisme. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire C'est aider les industries, les usines à sortir de terre pour pouvoir euh, produire des batteries et des voitures électriques ici, chez nous, en France, à des prix abordables. C'est-à-dire assurer une préférence européenne, permettre aux Français, à terme, pas demain matin, d'acheter une voiture électrique grâce à un crédit d'impôt ou de bénéficier d'un leasing a social. C'est comme ça. Français. Donc, en fait, c'est investissement, préférence européenne Renfait et Luxman. soutien. Rapidement, aux une mesure pour recréer de la richesse en Europe. Investir dans les secteurs stratégiques et cette loi HT européen. Les commandes publiques, c'est le bras armé de la puissance publique en économie. Et donc, il faut une loi qui réserve en priorité les, les commandes publiques aux productions européennes, avec une dimension spécifique sur les petites et moyennes entreprises. Et donc, ce qu'il faut, c'est en fait comprendre que le politique a abandonné notre outil industriel. Le politique a abandonné face à la concurrence chinoise aujourd'hui nos entreprises. Et donc le pilotage par le politique, mais ça, ça rejoint Avec vraiment les ça de rejoint lois, dont nous ce que vous aviez dit tout à l'heure. Le cap, vous savez, partout en France, on nous demande la même chose, que ce soit dans l'industrie ou dans l'agriculture. Mmh. C'est fixez-nous un cap clair sur 30 ans, sur 40 ans. Ne changez pas de cap à chaque moment, Allez, parce que pour un politique, c'est facile de changer de cap, Rapide. mais pour un agriculteur ou pour un industriel, ce sont des investissements, ce sont des endettements, et donc le zigzag permanent du politique à la première protestation, eh bien, ça Jordan met Bardella. tout le monde dans la catastrophe. Bardella. Je vous avoue que je suis un peu étonné d'entendre Mme Meillet parler des, des secteurs stratégiques quand on sait que le gouvernement en 2023 a autorisé par des groupes étrangers le rachat de 135 euh, entreprises stratégiques sur le territoire de la République française. Mais enfin, peu importe, moi je porte l'ambition de refaire de la France un pays de producteurs et non plus seulement un pays de consommateurs. Et donc il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance. Ça passe par une pause réglementaire pour simplifier la vie de nos chefs d'entreprise et arrêter avec cette inflation de normes environnementales qui stérilise aujourd'hui la croissance en France et en Europe. Deuxièmement, je veux le patriotisme économique. Je veux que ceux qui produisent en France, que ceux qui produisent avec de l'emploi, français oui. puissent avoir une priorité d'accès dans les marchés publics, dans la commande publique. Donc priorité nationale, préférence européenne. Et enfin, parce que j'ai un peu de retard, je souhaite qu'on refasse français. de la France Allez, on continue. un paradis énergétique, c'est-à-dire oui. qu'on investisse Après, dans le avez nucléaire avez et qu'on qu retrouve... Madame, s'il vous plaît. Merci. Et qu'on retrouve prise, juste. un prix français de l'électricité en sortant des règles européennes. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra réindustrialiser. Oui. Marion Maréchal, recréer de la richesse. L'instrument de bannissement des produits de l'esclavage qui protégeait nos producteurs. Mais, Comment est ce possible. Les normes sur nos Mais chefs d'entreprise. Les normes sur les produits qui rentrent non, sur les produits pas vrai, importés. Monsieur. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, non. Et les normes que vous mettez nos, en place, nos producteurs n'est pas une bonne sur toutes intention. Sur toute l'échelle de production, et notamment non. sur les transporteurs Pro et sur les entreprises de logique. Donc Marion TPE, Réchal, nos producteurs, une ce est une pas mesure une pour attention. créer de la richesse. Déjà, très rapidement, déjà, commençons par ne pas créer une dette et des impôts européens comme le souhaite la Macronie, parce que c'est quand même le projet qu'il qu qu porte, évidemment. Il faut également nous armer dans la guerre économique, en particulier face à la Chine et aux états unis Un seul exemple, aujourd'hui, euh, les droits de douane sur les voitures électriques chinoises, c'est 10%, c'est 100% pour les importations euh, aux états unis Il faut en effet la priorité sur les marchés publics, et euh, que les crédits européens soient également prioritaires dépensés dans l'industrie européenne. Je vous donne un exemple 1,4 milliards du fonds l'innovation pour financer l'éolien. L'essentiel de ce fonds européen va évidemment pour financer, à l'heure actuelle, de l'éolien chinois. Et j'en finirai par là. Il faut assouplir les aides d'État dans les secteurs stratégiques et il faut là aussi faire les bons choix énergétiques vers le nucléaire pour retrouver une énergie à bas coût. Léon Desfontaines. Nous avons perdu beaucoup l'espace de 15 ans, beaucoup de secteurs industriels stratégiques. Je pense à Arcelor, euh, leader mondial de l'acier, qui a été vendu. Je pense à Alstom, la branche énergie, qui a été vendue aux Américains Général Electric. Je pense à Sistovi, ça a été cité par M. Glucksmann, leader en termes de production de panneaux photovoltaïques. Metex, on pourrait citer Alcatel, également racheté par Nokia. On a perdu euh, notre souveraineté dans tout un tas de domaines. Ça, si, on veut, si on veut relancer aujourd'hui l'économie, en fait, on a besoin d'avoir un capitaine et un cap qui est clair. Un cap qui soit fixé. Nous, notre cap, il est clair, c'est 3P, 3 piliers, euh, protectionnisme production, planification, protectionnisme. On remet en place des taxes douanières pour protéger nos usines. Production, c'est à dire qu'on va racheter les secteurs industriels stratégiques pour permettre de retrouver notre souveraineté. Et enfin, euh, planification, c'est à dire qu'on planifie notamment les besoins en termes énergétiques. C'est à dire qu'aujourd'hui, si euh, Bruno Le Maire est en train de revoir sa copie, notamment sur la réindustrialisation, c'est parce qu'il a compris qu'on ne produisait plus suffisamment d'électricité depuis la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et eh bien, on planifie la production et la Allez, besoin d'énergie. Jouer le jeu. On ça. Recréer de la richesse. C'est simple, ce que nous devons viser, c'est le fait de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin dans le respect du climat et de la biodiversité. Donc on a besoin de trois choses. Un, effectivement, un protectionnisme vert. Vous savez, on s'est beaucoup battu, nous les écologistes, pour mettre en place une taxe carbone aux frontières. Il faut aujourd'hui l'étendre, l'étendre aussi aux questions de biodiversité et de salaire dans les pays tiers. La deuxième des choses, c'est qu'il faut réinvestir dans des secteurs stratégiques. L'énergie, évidemment, pour la produire chez nous. L'alimentation. Et puis la santé avec un service public européen du médicament. Allez, et puis la troisième chose, c'est que... Non, parce que, que... c'était une mesure, là, ça devient un programme. Ben oui, donc, est... on non, y non, va, c'était pas le jeu. La, la dernière chose, madame Rouchon, un peu en retard, Allez -y. En ai profité. Ouais. La troisième mais chose, c'est un pacte pour l'emploi. Parce que dans cette transition, on a besoin que les salariés soient au cœur et que Allez. la bifurcation se conduise dans le dialogue social. François-Xavier Bellamy, une mesure, rapidement, recréer de la richesse pour que l'Europe ne décroche pas. Mais il y a un décrochage de l'Europe, mais il y a aussi un décrochage de la France en Europe. Et il y a un éléphant dans la pièce dont personne n'a encore parlé, c'est que la France est ruinée. On vient de voir notre dette dégradée tout récemment. On a 1000 milliards d'euros de dette supplémentaire depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, le projet qu'il porte dans cette élection européenne, c'est de faire à Bruxelles ce qu'il sait faire de mieux à Paris une nouvelle dette européenne et des impôts européens. Nous nous disons qu'il faut faire le contraire. Il faut baisser la dépense publique il faut rendre du salaire aux gens qui bossent il faut faire baisser le poids des charges. Le poids de la fiscalité qui sont en train d'écraser les Français. Si on veut sortir de l'appauvrissement, c'est seulement par la liberté qu'on retrouvera notre élan. Merci beaucoup, euh, François-Xavier Bellamy. Merci, Sandy Dauphin. Je vous retrouve tout à l'heure pour euh, le deuxième débat, puisque Allez, la soirée se sûr. poursuit avec huit autres euh, têtes de liste. Rapidement, je crois qu'on a un petit chrono d'une minute qui ferait qu'on retrouve, parce que parfois, vous ne respectez pas les règles du jeu. Question de téléspectateurs pour vous, Valérie Ayet. Rapidement, nous sommes capables d'inventer en 15 mois un remède à une pandémie mondiale et incapables de remplacer les pesticides en 25 ans. Pourquoi Raymond retraité, vous posez cette question. C'est Raymond de tout à l'heure qui posait la question sur la jeunesse. C'est intéressant parce que ça permet d'aller sur la question de l'agriculture et de la réduction des produits phytosanitaires. D'ailleurs, les agriculteurs à la frontière franco-espagnole, ils ont manifesté il y a quelques jours. Ils manifestaient notamment pour qu'on ait un plan européen de réduction des produits phytosanitaires. On en a un en France. Et le principe, c'est pas d'interdiction, sans solution. Et donc oui, alors un, il faut avoir une perspective de sortie, de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, évidemment. Vous ne répondez pas à la question. Moi, je quand vous ne répondez pas à la question. -moi. Je vais vous répondre. répondez pas à la question. Mais non, mais il faut expliquer. Non, mais non, il ne faut sujet. pas expliquer. Il faut répondre sujet. à la question non, qui non, non, est non. posée. C'est un sujet compliqué. Oui. Est-ce qu'il faut, est qu faut investir va... dans la recherche S'il vous plaît. Allez-y. Donc, un, il faut d'abord avoir des objectifs de, de réduction. Oui. Deux, effectivement, il faut investir dans la recherche. Et évidemment, c'est à 27, en ayant une, un développement européen, qu'on pourra y arriver. Et par ailleurs, au Parlement européen, on a voté. Euh, d'abord, la loi de réduction des pesticides au niveau européen, elle a été tuée dans l'œuf à cause d'une association entre la droite et l'extrême droite. Or, elle aurait permis à nos agriculteurs d'être dans une meilleure situation, c'est-à-dire de permettre que tout le monde soit sur un pied d'égalité et que on ait le même objectif de réduction en Pologne et en France, par exemple. Je vais appeler l'Adépinne dans un instant. C'est fini. Marie Toussaint, une question pour vous, une minute maximum. Y a-t-il une différence significative C'est une question qui est posée par Jean-Michel Mamoudzou. Y a-t-il une différence significative entre vos deux programmes avec Madame Aubry sur la question écologique et ben, merci Jean-Michel. La différence entre la France Insoumise et les écologistes, c'est le rapport à l'Europe. Nous 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 pensons qu'il faut plus d'Europe pour faire face aux défis climatiques, aux défis de la biodiversité, aux pollutions. Chut, chut. Et la France insoumise parle beaucoup plus de nationaliser. Là où, par exemple, je considère qu'il faut européaniser les entreprises pétro pour orienter leurs investissements des énergies bon. fossiles vers euh, intégralement les énergies renouvelables. Donc le sujet principal, Madame Roux, c'est la relation à l'Europe. – Marion Maréchal, la une question en que une minute. Pourquoi n'y a-t-il pas, pas de plafond ?– C'était ah, bah 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 un beau d'espoir. Euh, question euh, de Sophie, qui est auto-entrepreneur en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi n'y a-t-il pas de plafonnement des dividendes versés aux actionnaires qui s'enrichissent toujours de plus en plus sur notre dos et Moi, je suis pour la liberté actionnariale, voilà. Et contrairement à l'extrême gauche, je ne suis pas pour contrôler euh, l'argent privé, planifier, surtaxer toujours plus. Je considère qu'on vit déjà dans un enfer fiscal insupportable français qui euh, grève notre compétitivité d'entreprise, qui euh, empêche euh, eh bien les, les foyers de vivre dignement. Je ne crois pas que ce soit en taxant davantage, y compris au niveau européen, qu'on réglera le problème. On fera fuir la richesse et donc on fera aggraver malheureusement la situation de l'emploi dans notre continent. Et j'accueille maintenant Marise Burgo. Merci de me rejoindre Marise. Vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous avez suivi la guerre en Ukraine sur la ligne de front comme auprès des populations de l'arrière comme on dit. C'est l'un des enjeux majeurs de cette élection. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mesdames. Bonsoir Messieurs. Bonsoir. Vous êtes les candidats d'une union confrontée à, une, à un conflit armé sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, déjà deux ans et quatre mois de violence inouïe entre les Russes et les Ukrainiens. C'est mon métier d'aller sur ces lignes de front pour que le monde sache ce qui se passe et pour que vous aussi vous preniez conscience de l'âpreté de ces combats. Vous, mesdames et messieurs, votre métier, si vous êtes élu ou réélu, sera de trouver une solution, des solutions pour que cesse cette guerre aux portes de l'Europe. Alors il existe déjà une forme de cohésion sur l'aide à apporter à l'Ukraine, 90 milliards d'euros d'aide déjà accordée dont 42 milliards d'euros d'aide militaire, c'est presque autant que ce que font les États-Unis mais voilà ça ne suffit pas les russes vous le savez sont à l'offensive notamment dans la région de kharkiv ils gagnent chaque jour des territoires. alors la question que nous avions envie de vous poser avec caroline est la suivante que peut on faire de plus que voulez vous que pouvez vous faire de plus pour empêcher la russie de vladimir poutine de gagner contre l'ukraine? françois vous avez Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de faire en sorte que l'Ukraine puisse se défendre face à cette agression de la Russie de Vladimir Poutine. Et pour ça, il faut lui apporter les moyens matériels, les armes, les munitions dont elle a besoin. Et de ce point de vue-là, malheureusement, nous ne sommes pas à la France encore complètement à la hauteur parce que notre industrie d'armement n'a pas été mobilisée autant qu'elle le pourrait pour pouvoir venir en soutien de ces forces ukrainiennes avec le général Gomard, qui est le numéro 3 de notre liste, qui est l'ancien patron des forces spéciales françaises. Je visitais il y a quelques semaines une usine qui fabrique des véhicules blindés qui sauvent des vies aujourd'hui sur le front. Et cette usine, en France, elle n'est pas mobilisée autant qu'elle le pourrait. Ceux qui la font tourner nous disaient qu'ils auraient aimé passer au 2-8, au 3-8. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils n'ont pas les commandes de l'État, ils n'ont pas le cap qui leur est donné pour pouvoir s'engager ainsi. Et le grand défi, c'est que ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est aussi notre propre sécurité qui est en jeu. Aujourd'hui nos propres forces armées ne sont pas équipées comme elles le devraient pour pouvoir faire face à un conflit demain de haute intensité sur le sol de nos pays. Ce qui se passe aux États-Unis montre que nous allons devoir assumer de manière beaucoup plus forte dans nos pays la sécurité qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour le continent tout entier. Donc, faire ça ne plus veut pas dire ça ne veut surtout pas dire une armée européenne parce que ce serait dissoudre nos états nos démocraties dans une fonction régalienne absolument centrale, mais ça veut dire qu'on doit construire ensemble par exemple cette industrie de défense qui pourra nous permettre demain de mieux équiper nos forces armées nationales. J'ai été rapporteur du Fonds européen Défense. Nous proposons d'en tripler le montant pour faire en sorte que demain, effectivement, nous soyons plus autonomes dans la sécurité du continent européen. Euh, Raphaël Vuxman, sur cette question qui est posée, que peut-on faire de plus euh, pour faire gagner l'Ukraine, pour éviter que la Russie ne, ne l'emporte Déjà, on peut mettre en ordre de marche notre industrie d'armement. Commander plus et livrer plus. Au bout de deux ans et demi de guerre, la France ne livre que 5000 obus par mois, alors que la Russie en tire jusqu'à 20 000 par jour. Donc en fait, on n'a pas fait notre taf, c'est aussi clair que ça. Ensuite, Où il y a les gouvernements européens n'ont pas fait leur travail. Quand on dit qu'aider l'Ukraine, ce n'est pas simplement de la solidarité vis-à-vis -vis des Ukrainiens, mais c'est défendre notre propre sécurité, alors on n'a pas fait notre travail dans les gouvernements européens. Et on n'a pas suivi d'ailleurs les recommandations du Parlement européen là-dessus. On a 206 milliards d'avoir public russe gelés dans nos banques. Il faut les saisir et affecter ces 206 milliards à l'aide à l'Ukraine. Ensuite, il faut arrêter de mettre des interdictions aux forces ukrainiennes. Il faut les autoriser à frapper les bases militaires russes d'où partent les attaques contre l'Ukraine y compris France. sur le territoire russe. Il faut le faire maintenant. Il faut Vous aussi... avez entendu la réponse de la Russie. Mais la euh, Russie concernant chaque... les instructeurs qui dit aujourd'hui qu'elle n'exclut pas d'attaquer les instructeurs français notamment s'ils sont envoyés sur place. La Russie, quand il y avait le débat, on a perdu des mois et des mois sur le débat sur faut-il livrer des tanks ou pas? C'était une ligne rouge russe. on a livré des tanks, il ne s'est rien passé. La même chose sur les missiles, la même chose sur les avions. Et donc désormais il faut aussi mettre fin. Il faut aussi mettre fin à notre euh, euh, au trou dans nos sanctions. Parce que nous sommes aujourd'hui en train de financer la machine de guerre russe avec nos importations de gaz naturel liquéfié. Nous sommes en train de, de financer la machine de guerre russe avec nos importations dans la filière de l'uranium. Donc en fait, moi j'ai une question, Monsieur Bardella. Est-ce que vous êtes toujours pour la fin Je, je suis pas chef des armées. pour la fin des sanctions. Est-ce que vous êtes toujours pour la fin des sanctions sur le gaz et le pétrole russe je considère que les sanctions, euh, j'utiliserai quand même mon temps de parole pour parler de, de, la, de la menace, mais je vais vous répondre, je considère que les sanctions énergétiques qui ont consisté euh, à permettre à la Russie de vendre moins de pétrole, mais de le vendre beaucoup plus cher. Tout en euh, permettant à la France de continuer à faire venir du gaz russe, par exemple d'Arabie Saoudite ou d'un certain nombre de pays euh, orientaux, était d'une hypocrisie effectivement voilà, donc, très euh, oui. importante. En revanche, je pense qu'il y a des sanctions. Vous me laissez finir, peut-être. Je pense qu'il y a des sanctions en revanche qui marchent, notamment sur les euh, semi-conducteurs et sur les oligarques, <laughs> et qu'il faut évidemment euh, et... les maintenir et... Et, et les renforcer. Et, et, et je crois que euh, la proposition, je l'avais formulée d'ailleurs euh, devant le président de la République lors des rencontres de Saint-Denis, d'utiliser les intérêts des avoirs russes, me semblait être une proposition euh, de bon sens. Donc, donc avant les sanctions sur l'énergie sur le gaz et le pétrole l'union européenne finançait la machine de guerre de vladimir poutine à hauteur de 1 milliard d'euros par jour donc monsieur bardella vous êtes pour que l'union européenne finance la machine de guerre de non, poutine à hauteur de 1 milliard d'euros par euh, jour c'est-à-dire 365 milliards d'euros par an si c'est exactement non, ce que je, vous proposez je, de faire. Pour l'arrêt de l'hypocrisie de euh, notre part et de vous, la part de tous vous ceux êtes, qui prennent des décisions. Vous êtes pour l'arrêt. Sur l'hôtel de la morale pour continuer à aller chercher du pétrole russe et qui transite non, par d'autres pays non, et qu'on achète beaucoup plus cher. Vous êtes. Ou d'ailleurs, avec le GNL, où on voit que la, la France reste le premier pays importateur de gaz russe, vous, on achète désormais du GNL qu'on achète plus cher. Et donc, ça a une conséquence contre, contre le pouvoir d'achat des contre chaque de étape du soutien à la résistance ukrainienne. Pas du tout. Contre chaque État. Non, non, pas du tout. Si, la livraison des tanks, la livraison des missiles, oui, à chaque fois des livraison C'était Je ne suis pas pour que la deviennent co -belligeant. Ça fait une vous, différence entre vous et moi, avec, parfaitement. Non, ce n'est pas être co-belligeante. C'est du sérieux, la guerre, monsieur Glucksmann. Bah. Mais ce n'est pas jouer sur les monsieur, plateaux télé. La guerre, c'est du sérieux. Monsieur Bardella, oui. moi, j'étais en Géorgie quand, oui, vous quand vous les dites, troupes russes ont vous envahi la, la Géorgie. pour un président qui est en non. prison aujourd'hui. Et ah, la différence entre vous et moi c'est qu que j'ai jamais été payé par un, est état un otage d'un oligarque pro russe. Mais, Donc, oui, oui, qui est en je, prison. J'étais en Ukraine en 2014, votre 2014. Mariani, et vous quand, votre partie, avis, quand, quand moi j'étais en Ukraine en 2014, votre parti applaudissait à l'annexion de la Crimée. Marine Le Pen applaudissait à l'annexion de la Crimée. Et oui. Vous monsieur, vous avez voté, votre voté vous avez voté a contre pour 150 vous, millions d'euros à la Russie monsieur Poutine. Mais vous avez voté contre la résolution du Parlement européen qui condamnait les milices Wagner qui s'en prenaient à nos soldats en Afrique. Vous Donc, avez voté vous avez peut-être une ce question qui avec M. Bon encore à jean Bardella, euh. de renforcer la défense que européenne. Que euh... Donc non, mais monsieur justement, monsieur on va... Bardella, non, Monsieur Glucksmann êtes... aura fini d'hurler sur un sujet qui m'apparaît gravissime et qui mérite un peu plus de hauteur que ces avec espèces avec de batailles de sac à main. Mais enfin, bon. Avec vous, au pouvoir, ce, ce ne sont pas des batailles de sac à main, Monsieur. C'est la divergence fondamentale entre le parti de la défaite et de la capitulation face à Vladimir Poutine que vous incarnez et le de la résistance que j'incarne moi depuis 20 vous ans. Vous résistez pas du tout. Votre groupe est corrompu et financé opposés. par le Qatar. Alors pardon, Jordan hein, Bardella, est-ce mais... que vous souhaitez répondre Non mais Monsieur Glucksmann qui nous parle de résistance, alors que pour l'instant le seul scandale d'ingérence et de corruption avéré au Parlement européen qui a fait l'objet d'un scandale majeur et d'une procédure de justice, c'est la vice-présidente socialiste du Parlement européen qui a été yes. retrouvée au pied de son hôtel à Bruxelles avec des, mali... des, mal... des... des valises de billets qui le venaient du Qatar. Vous avez, vous... vous avez sur votre liste le petit télégraphiste du Kremlin et d'ailleurs aussi de Monsieur Monsieur Aliyev en Azerbaïdjan, mmh. et vous osez me parler d'ingérence. Vous avez voté pour la les deux. commission que j'ai oui, peux. Vous êtes très en avance non, mais, tous madame, les deux. Je vais vous laisser répondre, bon, mais allez-y. Je vous remercie. Euh, je vais vous dire ce, euh, ce que fait l'Ukraine aujourd'hui face à la Russie en tenant le front depuis deux ans. La France serait incapable de le faire. Il y a un rapport parlementaire qui est. Publié il y a plusieurs mois par l'Assemblée nationale et qui révélait que la France serait aujourd'hui incapable d'assumer un conflit de haute intensité de plus de trois semaines. Donc je pense que cette guerre, face à une menace multidimensionnelle comme la Russie, pose à la France et à l'Europe un enjeu à la fois de sécurité énergétique. Géopolitique, oui. alimentaire, mais aussi un enjeu de souveraineté. On la doit question, c'est jusqu'où faut-il aller C'était ça la question du point de départ. À la France de retrouver sa capacité de défense, faire la priorité non. nationale dans l'affectation des marchés publics de l'industrie défense. Et je pose une question non, à, non, à non, Madame Eye. Non. non, mais une question très simple. Parce que vous... chacun se pose des questions. Non, mais moi je pose en en une question sentir. très simple à Madame Eye que tous les Français se posent. Emmanuel Macron a ouvert la porte, non pas seulement au partage de l'arme nucléaire, mais désormais à l'envoi de troupes. On parle désormais d'envoyer des instructeurs français, c'est-à-dire oui. des, des militaires français. En Ukraine, que se passe-t-il demain si un militaire français Allez, est tué Valérie, par la Russie la, la réponse, que je ne C'est quoi la réaction de la C'était une déclaration de la Russie que j'ai précisé à l'instant. La question vous est posée. Moi, je voudrais d'abord réagir à ce qu'a dit jean Bardella, qui depuis quelques mois nous dit que, vous explique que la Russie serait une menace multidimensionnelle. Vous ne le croyez pas. À, bah, à quel moment au Parlement européen, ce que vous dites là, s'est traduit dans vos votes. Jamais vous n'avez aidé l'Ukraine. Jamais faux. vous n'avez appelé aux sanctions contre la Russie. Jamais vous n'avez appelé à, Jamais vous n'avez condamné passer l'intégralité de votre campagne reposant, à mentir comme à chaque débat. Euh, du premier opposant Alexei Navalny à, à Vladimir Poutine. Euh, effectivement vous votre votre collègue votre collègue euh, Eric Mariani euh Thierry, Thierry Mariani est madame, un, un proche du Kremlin que, que, que vous avez rencontré evidence. il y a quelques semaines d'ailleurs. Ça s'agit pas non, non, mais ça on a pas à coller que les que les téléspectateurs le sachent gendarme euh, bardella pardonnez-moi euh, dit ça sur les plateaux télé aujourd'hui mais sur les votes a, il, a, il a fait exactement la même chose au parlement européen. Valérie, oh, Victime d'attaque brusque-spatriote. vous êtes très en avance, laissez balayer. Les propos suivre, du vous plaît. président de la République ont été détournés, caricaturés. Il y a des mensonges qui ont été dits, notamment sur la question de la dissuasion nucléaire et sur la question de l'envoi des troupes. Évidemment que nous personne ne souhaite aller à l'affrontement direct avec Vladimir Poutine. Mais avec Vladimir Poutine, il faut jouer le rapport de force. Moi, je suis allée voir euh, Volodymyr Zelensky euh, il y a quelques semaines. Il m'a dit euh, de remercier Emmanuel Macron d'abord pour la livraison d'armes et de munitions, il m'a dit aussi qu'avec euh, euh, le changement du rapport, cette idée de rapport de force, Emmanuel Macron avait changé les termes du débat. et donc ça compte aussi euh, en Ukraine. Sur la dissuasion nucléaire, alors Marine Le Pen et Jordan Bardella chaque année depuis 2019 expliquent qu'on va vendre, on va abandonner le bouton, le bouton nucléaire. Qui peut décemment de... le croire Évidemment pas que de... on ne va pas appuyer à 27 sur le bouton nucléaire. Le président de la République a dit, a rappelé la doctrine, la doctrine historique de la France depuis le Général de Gaulle. Les intérêts vitaux de la France dépassent les frontières nationales. C'est ça qu'il faut rappeler et sortir des mensonges pour euh, susciter la peur et l'angoisse des vous vous Français. C'est hein, vous qui suscitez l'angoisse, c'est pas nous. Non, mais Marie Toussaint, un Marie débat Toussaint sur cette question qui nous est posée, il vous reste trois minutes. On va essayer de rééquilibrer les temps de parole sur les instructeurs, qui étaient à l'équilibre. Personne ne m'écoute, mais je continue à parler. parler. Marie Toussaint, je le disais, on va essayer Moi de rééquilibrer les temps de parole pour terminer ce débat à l'équilibre. Allez-y sur la question qui était posée par Marie Burgot et plus généralement sur l'attitude qui doit être celle de la France sur ce conflit en Ukraine. Jusqu'où faut-il aller Nous avons évoqué plusieurs questions la question de la dissuasion nucléaire, la question d'autorisation les Occidentaux à frapper sur le territoire euh, russe avec des armes occidentales sur ces points-là, qu'en dites-vous alors je vais vous répondre, Mme Roux, mais d'abord j'aimerais m'adresser à Mme burgo pour vous dire toute la reconnaissance, qui est la mienne et celle des écologistes, du travail que vous menez. Vous prenez effectivement des risques importants pour euh, nous informer et nous savons à quel point vous êtes en danger, à quel point euh, des journalistes euh, de guerre euh, perdent leur vie en Ukraine, euh, au Congo ou encore à Gaza. Et donc je tiens euh, tout d'abord vraiment à vous remercier et, et à dire que nous devons toujours soutenir ce journalisme d'investigation. Je reviens à la question euh, sur l'Ukraine. La première des choses qu'il faut rappeler. C'est que l'Ukraine ne doit pas tomber et qu'évidemment c'est pour l'intégrité du peuple ukrainien, mais que derrière c'est bien sûr nos démocraties qui sont attaquées et qu'on voit chaque jour les ingérences de Vladimir Poutine euh, qui viennent qui vient secouer euh, les haines et les tensions qui euh, parcourent nos sociétés. Alors moi je dis oui il faut continuer à aider l'Ukraine et l'aider plus encore. Mais la première des choses à faire c'est de cesser de financer la machine de guerre russe. Il faut taper Vladimir Poutine au porte-monnaie. On importe encore du gaz, des engrais, de l'uranium ou de en enrichi depuis la Russie ou depuis ses alliés, ses partenaires, hein, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. on a aussi parlé d'Inde, il faut que cela cesse. Il faut que nous nous mettions en capacité d'empêcher Vladimir Poutine de financer son armée plutôt que de parler d'envoyer des troupes au sol pour financer cette armée qu'on finance. Je veux dire, c'est une hypocrisie immense. Je me suis battu pendant cinq ans au Parlement européen pour que nous nous libérions du gaz russe. En particulier, j'ai obtenu au tournant de l'année que l'Union européenne, européenne autorise les États membres à mettre en place un embargo sur les importations de gaz russe. Et donc oui, madame, ayez-moi aussi, je vous demande, quand est-ce que la France va cesser d'importer du GNL russe Depuis le début de l'année, c'est la 700 prochaine. millions d'euros. Eh bien, il serait, temps, il serait temps, parce Allez. que ça fait plus de deux ans que la guerre s'abat sur l'Ukraine, et donc à un moment, il faut appliquer cet, embar de... cet embargo. Et donc d'abord, on tape Vladimir Poutine au porte-monnaie, et ensuite, oui, on va chercher ces avoirs gelés russes. Vous savez, les états unis l'Estonie et la Suisse ont légiféré pour mobiliser ces avoirs gelés russes. On a besoin de les utiliser et de le mettre au service de la défense Desfontaines. Sur le conflit ukrainien, je, je me réfère souvent à une phrase d'Elson de Mandela qui disait que c'était les agresseurs qui déterminaient les armes des agressés. En l'occurrence, on a un agresseur, c'est la Russie, un agressé, c'est l'Ukraine. Et donc l'Ukraine détermine aujourd'hui les besoins qu'elle a pour se défendre. Et nous, nous avons toujours été favorables à, au fait d'aider l'Ukraine militairement pour pouvoir justement faire reculer les troupes russes. Pour une, un objectif, c'est permettre à l'Ukraine de négocier en rapport de force ensuite, avec une ligne rouge, celle qu'on ne devienne pas co-belligérant, donc celle qu'on n'envoie pas des armes qui sont susceptibles de toucher des Russes, y compris des civils et l'envoi bien sûr de troupes sur le front ukrainien. Maintenant j'en profite d'avoir un peu de retard pour aborder un sujet qui est lié à l'Ukraine mais qu'on parle peu, c'est la question de l'élargissement de l'Union européenne. Aujourd'hui, Mme Ayé, notamment profite du conflit ukrainien pour dire qu'il faudrait élargir l'Union européenne à de nouveaux pays de l'Est, notamment l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, où les salaires minimums sont à moins de 200 euros par mois. Je le dis, ça signera la fuite en avant de notre industrie. Comment voulez-vous que les travailleurs français soient assez compétitifs avec des salariés qui ont dans un marché unique des salaires minimums à 200 euros par mois Cette Europe de la concurrence, elle sème de la colère et du désespoir et aujourd'hui par désespoir de cause certains de Français vont voter justement Jordan Bardella par colère et j'ai envie de leur dire à ces Français. Qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat L'ISF, il a voté contre. L'indexation des salaires ah ben sur l'inflation, les députés, même. ils ont voté contre. Même <laughs> le parti qui se dit défenseur des retraités a voté contre une proposition de loi qui permettait de réévaluer les pensions de retraite, notamment les mettre au-dessus du vous intéresse pas, la vous réalité La réalité, c'est que le Rassemblement national, la réalité, j'ai abordé la question ukrainienne, euh. la réalité, c'est que vous avez le même projet bon. économique qu'Emmanuel Macron, M. Bardella, et donc à ceux qui nous disent qu'on ne nous a jamais essayé, ceux qui nous ont jamais essayé, on est en en train de vous essayer, vous votez systématiquement contre leur pouvoir d'achat. Donc nous serons opposés à l'élargissement de l'Union européenne, nous sommes favorables à l'aide à l'Ukraine, et nous serons bien évidemment bon. toujours mmh. systématiquement opposés au projet antisocial du Rassemblement national. Bah Marion Maréchal Écoutez, sur cette partie-là avant d'aller faire la guerre à l'étranger moi j'aimerais qu'on voit un peu ce que les Français voient dans leur quotidien. Ils voient dans notre pays 3 meurtres 3 meurtres par jour. Ils voient dans notre pays 41 oh. agressions physiques par heure. Non on est Ils sur voient, le crime. Non, ma non mais c'est important parce que moi je non, veux dire on est dans un pays crème. où il y a une agression sexuelle tous les toutes les 3 euh, euh, minutes agagriole toutes les 3 minutes. Non mais moi je veux bien non mais je veux bien les règles du débat. Excusez-moi les vous vous êtes exprimé sur ce sujet-là au début au même toujours la même chose. Excusez-moi mais je veux dire qu'on a les promettre vous avez donné une armée européenne. Je veux qu'on promettre une que question sur Je peux aller au bout de mon raisonnement s'il vous plaît, je peux aller au bout. je veux oui. bien qu'on promette une armée européenne. Je veux bien qu'on promette une diplomatie bon. européenne, mais la réalité aujourd'hui dans notre quotidien auquel je m'oppose, je le précise, euh, la réalité dans notre quotidien c'est qu'on a un état qui sur le sol français n'est déjà pas capable d'imposer son autorité et d'assurer bon. la protection des Français ou de ramener l'ordre public en Nouvelle-Calédonie face aux casseurs et aux pillards. Donc ça c'est d'une première chose. Je réponds donc à votre question, oui. je considère que euh, aujourd'hui, la première des réponses pour renforcer la sécurité européenne, c'est d'abord de renforcer l'armée française ce n'est pas de déléguer cette souveraineté militaire ou diplomatique à euh, évidemment l'Europe. et donc pour cela, euh, bon il faut faire en sorte que 3% du PIB, Soit consacré aujourd'hui à notre budget de défense, il faut qu'il y ait davantage de commandes d'État. Il faut relocaliser des filières stratégiques comme celle des munitions. Il faut en effet, pourquoi pas, favoriser les achats groupés au niveau euh, européen. Il faut prioriser d'ailleurs les achats européens dans les achats militaires, puisque sur les deux dernières années, sachez-le, 80 du matériel euh, militaire qui a été acheté était du matériel extra-européen. Euh, Et c'est ainsi en retrouvant une autonomie de défense en Europe, qu'on se donnera les moyens, évidemment, de pouvoir assurer notre sécurité. Maintenant, Aubry. Je reviens à la question que vous posiez à juste titre. Je reprends vos termes exacts. exacts. Trouver des solutions pour que cesse cette guerre. Je pense qu'on peut agir à trois niveaux. Le premier, c'est évidemment un soutien financier, logistique, militaire pour que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Le deuxième niveau, c'est arrêter l'hypocrisie et arrêter l'importation de gaz liquéfié euh, russe, notamment. Et le troisième niveau, c'est ouvrir des canaux diplomatiques. Je dis ça à une experte de la guerre qui sait que, euh, en général, pour trouver une issue à un conflit, il faut à un moment ouvrir des canaux diplomatiques. Mais je veux dire aussi, puisqu'il s'agit ici de droit international, qu'on ne peut pas avoir le droit international à géométrie variable et que je défends euh, les civils ukrainiens de la même manière où je défends les civils partout dans le monde. On a su prendre des sanctions à l'égard euh, du gouvernement de Vladimir Poutine à juste titre. Pourquoi sommes-nous incapables de prendre des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu qui est en train de massacrer le peuple palestinien. Et mais je m'étonne qu'on qu ne parle pas euh, du sujet. Il y a euh, dans la bande de Gaza euh, près de 40 000 civils qui ont été tués, assassinés. On a des enfants qui sont euh, égorgés. On a des hommes et des femmes qui sont brûlés à vif. Et vous voyez, quand mais il y a une demande sais, de la Cour sais, internationale de justice euh, d'arrêter euh, l'offensive à Rafah, quand il y a une demande du procureur de la Cour pénale internationale qui euh, propose un mandat, qui veut lancer un mandat d'arrêt, contre à la fois le Hamas et le gouvernement de Benjamin Netanyahou, nous ne devons pas avoir le droit international à géométrie variable partout dans le monde, nous devons l'appliquer sinon. C'est la crédibilité de l'Union européenne qui s'en va. Sinon, c'est notre humanité qui s'en va aussi. Et je ne peux pas rester les bras croisés, ni face au drame en Ukraine, ni face au drame en Palestine. Et je veux, et je vous en prie, que ce droit international soit appliqué partout de la même manière, pour que plus jamais un civil puisse se dire Ah, bah, cette fois-ci, je suis protégé parce qu'il y a un État puissant. L'Union européenne est le premier partenaire commercial euh, d'Israël, et on est incapable de prendre des sanctions alors qu'on l'a fait. Et à très juste titre, euh, s'agissant de la Russie. Donc, donc je pense Alors, que c'est un enjeu aussi de cohérence. Nous devons clore ce débat. Euh, pardon, pardon j'ai juste une toute petite question si Vous, vous permettez, êtes en avance. Ah non, ah On non. Est non parce que secondes, M. Bellamy, nous sommes tenus à des règles de, de, de diffusion des clips de campagne euh, juste après vous. Je voulais juste Donc ça sont Mme les règles que j'évoquais en début d'émission. Entre le Hamas et Israël. vous referrez ce débat sans doute d'ici à dimanche. Je vais vous demander un mot de conclusion, si vous le voulez bien. Là aussi, l'ordre de passage a été tiré au sort. C'est à vous, Léon Desfontaines. Rapidement, quelques mots de conclusion. 40 secondes. J'ai 28 ans, je me suis engagé dans cette campagne européenne, notamment pour débusquer ce était réellement le Rassemblement national et Jordan Bardella, à savoir un faussaire de la question sociale. Systématiquement, ils ont voté contre nos intérêts. Et oui, j'ai 28 ans, c'est-à-dire que j'ai le même âge que Jordan Bardella. Je ne l'ai pas lâché durant cette campagne européenne, je ne le lâcherai pas demain au Parlement européen. Et dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, je serai sur ses baskets pour montrer qu'il est aujourd'hui de droite ah, on et on notamment qu'il vote plus, hein. contre les lois qui permettent <laughs> d'améliorer les conditions matérielles d'existence des Françaises et des Français. Maintenant, j'ai envie de m'adresser aussi aux aux indécis, notamment à celles et ceux qui ne savent pas pour qui voter, j'ai envie de leur dire soyons la gauche la plus intelligente du monde. Permettons aux quatre listes de gauche, celle de Marie Toussaint, celle de Manon Brouille, celle de Raphaël Glucksmann et la mienne, de dépasser les 5 Parce que 5 c'est-à-dire 5 élus en plus pour la gauche, 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Oui, nous pouvons le 9 juin prochain faire reculer l'extrême droite ensemble. Écrivons une nouvelle page pour la gauche. Deuxième par ordre de passage, Jordan Bardella, pour cette conclusion. Écoutez, moi je veux dire à tous les Français qui nous regardent ce soir que euh, nous sommes prêts à les aider, mais il faut se déplacer, il faut aller voter. Et je veux m'adresser à tous les Français dont le cœur saigne aujourd'hui, d'où qu'ils viennent, qu'ils viennent de la droite, qu'ils viennent de la gauche, quel qu'ait été leur passé politique, à tous les Français dont le cœur saigne en regardant aujourd'hui l'état du pays, en regardant aujourd'hui l'état de la France de venir avec nous, parce que le 9 juin, il faudra infliger ce dimanche une sanction très claire à Emmanuel Macron, à l'Europe de Macron, et le 9 juin, la France dira si oui ou non elle veut rester euh, la France. Ce que vivent les Français, ce que vivent les gens, c'est la conséquence de choix politiques. Ce n'est pas une fatalité, et moi je viens de leur, dire, je leur dire que sur le pouvoir d'achat, sur la Allez. sécurité ou sur l'immigration, en changeant la politique, on peut améliorer leur quotidien, donc il ne faut ni s'abstenir, ni disperser ses voix, vous, parce et... que... Je suis la seule liste à être capable euh, d'arriver en tête. Pour Raphaël déconne, Glucksmann. Aiguë, Raphaël non, non, Glucksmann. C'est un mot de conclusion. Raphaël Glucksmann. Il se trouve que le tirage au sort m'a placé entre M. Bardella et Mme Haye. Alors, vous. je me suis trompée, figurez-vous. C'est prophétique. Le, non, voilà. Le Pour tirage dimanche. au sort a désigné François-Xavier Bellamy. Euh, voilà. Alors, euh, Là, non, euh, allez, on laisse problème. parler non, Raphaël non, Glucksmann. Non, 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 vous êtes fair-play. On respecte les règles. Bon, M. Bellamy, vous avez la Alors, mais j'étais bien parti pourtant. Oui, on a vu, hein. mais non, du mais coup. Non, oui, c'était. Allons-y, allons-y. C'est ma faute. Le... Pardonnez-moi. Je ne pas Sur ma lancée, pardon. Euh, ah, moi, je pas voudrais pas. simplement dire aux Français qui vivent aujourd'hui au quotidien la réalité de l'appauvrissement du pays et du décrochage de l'Europe que ça n'a rien d'un accident ou d'une fatalité. C'est la conséquence des choix politiques qui ont été portés au cours des dernières années à Paris comme au Parlement européen. Pendant cinq ans, nous avons vécu cette situation que les deux listes qui étaient arrivées en tête la dernière fois ont manqué aux intérêts des Français. Les Macronistes ont voté systématiquement en faisant la politique de la gauche et le Rassemblement national a fait systématiquement la politique de la chaise vide alors qu'il avait gagné la dernière élection européenne. Aujourd'hui, la droite que je représente, cette droite renouvelée, exigeante et prête à offrir un nouvel élan à l'Europe, elle devient, même si nous traversons une crise profonde en France aujourd'hui avec la... Crise de notre démocratie, la première force politique en Europe, et c'est au sein de cette famille politique qu'il faudra être au combat matin, midi et soir pour défendre la France et les Français et pour que l'Europe retrouve le cap dont elle a besoin pour pouvoir nous renforcer. Raphaël Je peux y aller là C'est bon. C'est bon, sûr que c'est bon. Okay. <laughs> Donc le tirage au sort, l'autre tirage au sort a voulu que je sois placé entre M. Bardella et Mme Hayé. Oui. Et l'ensemble des commentateurs avaient déjà prévu que cette élection serait un duel. Eh bien, nous avons montré qu'il y avait une autre voie. La voie de la solidarité, la voie de cette gauche humaniste et pro-européenne que tout le monde avait enterrée et qui est en train de renaître depuis le début de cette campagne. La gauche de M. Delors, la gauche de M. Badinter, qui croit en l'Europe, en la justice sociale. Alors, si vous, vous, vous croyez en la transformation écologique, en la solidarité sociale, en l'Europe et en la démocratie, eh bien, vous avez un bulletin de vote qui vous permet de ne pas vous scinder. C'est un vote efficace qui fera respirer la démocratie et c'est aussi et surtout, puisque pour réenchanter la démocratie, il faut cela, c'est un vote de cœur, de passion et d'adhésion. – Valérie Ayer, un mot de conclusion. Euh, – Je veux vous dire que cette élection, elle est historique. Ce n'est pas galvaudé de le dire, c'est la réalité. Euh, les défis qui sont devant nous et auxquels on doit apporter des réponses, ils sont colossaux. C'est le retour de la guerre sur le continent, c'est la révolution de l'intelligence artificielle, c'est le défi du changement climatique et c'est le risque de décrochage économique dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et moi, je fais ce constat lucide et je veux qu'ensemble, en européen, on apporte les bonnes réponses pour nous permettre de préserver ce continent de paix, de liberté et de prospérité. Je veux qu'on bâtisse une défense européenne euh, en multipliant les budgets de défense par trois. Je veux que nous engagions un grand plan d'investissement massif dans les secteurs stratégiques. Je veux que nous protégions nos valeurs démocratiques, nos libertés fondamentales et que nous permettions à toutes les femmes, où qu'elles soient en Europe, d'avoir accès à l'IVG. Euh, ça, c'est possible. Je vous le promets aujourd'hui parce que euh, euh, j'agis au Parlement européen, je préside un groupe sur lequel aucune majorité n'est possible et c'est ce, ce qui nous permet d'avoir du résultat à votre service. Donc allez voter le 9 juin. Marie Toussaint, un mot de conclusion. Regardons autour de nous. On meurt de chaud en Inde et au Mexique. Et ici en France, sécheresse, inondations, feux de forêt, la réalité du dérèglement climatique est déjà sur nous. Pourtant... Voilà plusieurs mois depuis le début de cette campagne que vous entendez l'extrême droite vous expliquer que l'écologie est l'ennemi public numéro un et la majorité leur céder. Mais le risque, ce n'est pas le grand remplacement, ça c'est un fantasme. Le risque, c'est le grand réchauffement qui est bien réel. Et je sais qu'au fond de vous, vous le savez. Alors je veux vous dire que tout n'est pas joué. Si vous voulez voter pour sauver les glaciers et les océans, alors votez écologiste. Si vous voulez défendre la santé et la justice sociale. Alors votez écologiste. Si vous voulez une Europe qui agit pour le climat, pour la biodiversité, pour le bien-être animal, alors votez écologiste. Et si vous voulez des députés courageux et courageux qui se battent sans relâche pour vous et ne lâcheront rien, alors votez écologiste. Vous l'avez compris, le 9 juin, pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez Europe écologie. Manon Aubry. Merci beaucoup. Ce dimanche, c'est l'après-Macron qui commence. Et plutôt que de le laisser entre les mains de l'extrême droite qui a démontré... Une fois de plus, ce soir, à quel point elle est raciste, xénophobe et sexiste, vous pouvez vous faire respecter avec ce bulletin de vote de la France insoumise. Vous pouvez voter pour la seule liste qui refuse en bloc les accords de libre échange qui mettent à mal notre industrie et notre agriculture, vous pouvez voter pour la seule liste qui s'oppose à l'austérité budgétaire qui sacrifie nos services publics, nos écoles et nos hôpitaux, la seule liste qui défend la retraite à 60 ans, la seule liste qui défend la sortie du marché européen de l'énergie qui fait exploser nos factures, la seule liste qui défend la paix à Gaza, comme en Ukraine. On n'est pas condamné à subir le duo entre l'extrême droite et les Macronistes qu'on a eu de nouveau ce soir. Et je continue à défendre ce chemin ouvert du programme de la NUPES il y a deux ans. Et je dis aux millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES, venez nous aider. Vous pouvez être sûr ce dimanche. Les riches et les racistes vont aller voter. Alors, si vous vous, vous mobilisez en masse, vous pouvez nous donner, se donner collectivement le pouvoir de tout changer. Je compte sur vous ce dimanche. Un mot de conclusion pour vous, Marion Maréchal. Oui, écoutez, ce 9 juin, j'aimerais que vous vous posiez une seule question. Euh, quelle Europe et quelle France voulez-vous pour vos enfants Moi, je suis une Française attachée à notre souveraineté et je ne veux pas des normes européennes absurdes et je ne veux pas du super État fédéral voulu par Emmanuel Macron. Je suis une Européenne et je suis attachée à notre identité, à nos valeurs, à notre civilisation, à ses racines chrétiennes. Je suis une patriote, évidemment, amoureuse de nos paysages et de nos paysans et je veux là aussi pouvoir les défendre et les protéger, notamment face aux, aux Fanatisme vert, et je suis aussi une maman qui n'a pas envie que ses filles grandissent dans une France submergée par l'immigration où la violence est partout et où l'islam progresse. Et donc, si vous partagez vous aussi ces aspirations, et eh bien sachez que le 9 juin, chaque voix compte. C'est un scrutin, un scrutin proportionnel à un tour. Pour avoir des élus, il faut passer le seuil des 5%. Et donc, à ceux qui pourraient hésiter avec LR, je leur dis n'oubliez pas que ce parti aujourd'hui gouverne avec les macronistes et les socialistes au Parlement européen. N'oubliez pas qu'une grande partie aujourd'hui, une grande partie, une une grande partie de leurs dirigeants le prépare, prépare des accords de gouvernement avec mais Emmanuel Macron. Macron au lendemain du 10 juin et tout vous cela est vrai est sourcé, est sourcé, et sourcé et sourcé et enfin excusez-moi quelle quel impolitesse surtout pour ne pas assumer M. Monsieur, monsieur Bellamy c'est bien dommage et à ceux qui pourraient hésiter avec le Rassemblement national leur dire que plutôt que de choisir un 32e député Rassemblement national et eh bien qu'ils nous fassent confiance pour porter leur voix parce que nous ne nous ne les trahirons pas nous les défendrons jusqu'au bout ils pourront compter sur nous le 9 juin en votant pour notre liste Reconquête. merci par, à vous tous vous. vous êtes à peu près euh, que, à égalité dans les temps de, et parole très Marais légèrement. C'est fou, C'est Allez, c'est terminé, c'est terminé, Marie-Marie. Merci la sincèrement, d'être à à venu Merci débattre à tranquillement Merci ce vous. soir sur le service bah public. Et je reste, Et bah pourquoi, euh, moi, je reste, car le débat se poursuit avec huit autres têtes de liste qui vont défendre leur projet pour l'Europe après quelques clips de campagne. A tout de suite.